Trouver quoi? Comment mettre ta Ah. caméra? Non. Non, putain. Non, depuis tout à l'heure, ils essayent de trouver mon prénom. Moi je l'ai depuis le début. C'est quoi? Mais en fait, je suis con parce qu'il est sur WhatsApp. Bah oui, Bah voilà. oui, exactement. Ah, Non, il en fait, y en a qui a branché ses neurones, bien voilà, joué. il y en a qu'un seul qui a mis son prénom sur WhatsApp, hein, c'est Mopiz. Tout le monde a mis son prénom. C'est vrai, c'est vrai. Et alors? Alors? Et ben alors, c'était une règle. Voilà. Ah ouais? Oui. Bah c'est bien, je suis content. Ok, allez, je vous invite, let's go. Qui con, Mopiz. One by one. Ouais, c'est ça. Vous avez bossé un peu depuis la semaine dernière ou quoi? Ouais, avec Sylvestre, n'est-ce pas? Ouais. Ils sont pas là, les On a fait autres. une grosse descente aux enfers là. Oh putain, de Ah ouf. ouais? Oh Ah, ouais. c'est... On est ah parti oui, ouais, ok. de Silver 1 à Silver 4. Ah ouais, t'as une tête à taper comme ça. J'ai une Ah tête à taper comme ça. ouais, il Bah s'appelle non, comment? c'est... Attendez, merde, j'ai lancé le truc, je suis con, va falloir que je mette en... Comment on Comme change mon ça... nom là? Dans accessibilité, je Éditer. crois. Hop. C'est toi Dubaï Jawad. Let's go! C'est quoi ce pseudo? Ça lui plaît. voilà. C'est bon? Et merci pour Matt Blegg. Merci mon poulet, t'es un monstre. J'ai C'est bon, j'ai mis mon nom dessus, c'est bon. Nickel. Ça c'est bon. Sinas, tu peux rejoindre. Ah oui, c'est bon, tu peux rejoindre le truc. Il reste qui? Nito va revenir. Moi? Excelsior, Edward. Nito est AFK. Red War s'est invité. Et Merci. Excel s'est invité maintenant. Quel? C'est good. Le roi de l'Uber. Oui. Six, il a les prénoms de tout le monde, anyway. Ouais, grave, mais moi j'aime pas de. Pff, on est sur Internet. Bon, je dis pas les. J'utilise les pseudos, pas les prénoms. Les Ouais, fais gaffe, sur frérot. les Commence pas, toi. les On reste bien, enfin, on s'habitue au pseudo surtout. Oui. Non mais C'est rare qu'on s'appelle c'est par bon j'ai prénom. mis mon nom, c'est bon j'ai mis mon nom. C'est quoi ton nom? Maxime. Roi d'Agobert, roi d'Agobert. C'est Maxime. Non. Ah bah si, c'est Maxime. Non. Si, c'est Maxime. Toujours pas. Si, c'est Maxime. Non, toujours pas. Ok, du coup, je vais appeler Claude. C'est parti, je l'appelle en live. Je peux, du coup? Non, il est J'appelle occupé. Claude ou pas, Maxime? Il est occupé. Ok, donc tu t'appelles comment? Jean-Eudes. Préfère. Ouais, il y a les drop Twitch. Oui, il faut faire pour l'exclamation charme. Et en fait, il faut payer ses droits de scolarité. Et t'as le charme de la Salty Academy. C'est plus beau. Tino, il arrive là. Quelqu'un peut le mettre avec nous? Il est dans la salle d'attente, les poulets. L'event. Mais pourquoi vous envoyez un K pour répondre? Ça veut dire quoi, K? Ok. Ok. Hey. Ok. Ça, c'est pour. Ah ouais, genre. Genre de lettres, c'était trop, tu vois. Ouais, genre au niveau flémardité, là, c'est. Flemmardité? Ouais, Du coup, flémardité, ouais. ouais, 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 là, vous avez la flémagite, là. ouais, 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 L'information ouais, de... Ouais, nickel, nickel. Puis, ok, c'est aussi une notification, de toute façon, à ce qui paraît. Après maintes et maintes recherches, toujours pas le blast de Red War. Hein. Je. Mais on l'a Bon. trouvé! On l'a trouvé! C'est quoi Lance son ton prénom jeu. alors? Lance ton jeu, on t'attend. Je suis là, mon jeu se lance. Tu veux savoir son prénom? Oui? S'il te plaît. C'est Fabien. Fabien. C'est vrai qu'il Putain, mais a une tête de Fabien mute-toi, quand même. Il a Ça une va, ça bonne va, tête ça de va, ça va, Fabien ça quand va. même. Ça va, mon pis, ça Une va. bonne tête de Fabien, ouais. Et Sinaz, on aura ta caméra un jour, tu penses ou pas? Mais elle y est. Non. Bah, elle y est. Si, si, elle y Bah non, est. on la voit sur le Si, elle y truc. est. Ah bon? Ouais. Mettre à jour. Peut-être refresh, ouais. 5, ouais. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que OK, ça a une signification assez spécifique Ça veut grâce au dire jeune avec qui je bosse. O killed. Ça veut dire pendant la guerre du Vietnam, c'était à la fin de la journée de savoir s'il y avait eu des morts. Vraiment? Ouais. Ouais. Bah ça a bien changé. Hein. Les jeunes avec qui je bosse, c'est autre chose. C'est plus pareil. Ouais, ils m'ont dit OK point d'interrogation, tu dis jamais ça, OK, OK. Petit bug, on gère. Ok Julien, ça marche. Bon Nito? T'as reçu une invite normalement, non? Je suis en train de lancer Est-ce mon que jeu vu que là. Nano, le boss, m'a payé mes droits, j'ai le charme? Oui, vous avez tous le charme quand on vous paye vos droits de scolarité.
Merci Nano, hein. Il a ouais, c'est un gros. Merci Nano. On a suivi Nano et. C'est le crack. Moi, j'ai Nano, c'est le crack, hein. Vraiment. C'est ouf. Gros bugus. Franchement, Nano, il nous a régalé. Ça va être cool. J'espère que vous avez pris vos affaires de sport. Ouais, 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 tranquille. Ok. Bah, on n'est pas encore parti, hein. On est pas sport, parti, ça veut dire quoi? Allo, c'est quoi sport? Hein? Ouais, qu'est-ce que ça s'appelle sport? Genre short ou jogging? Bah, ça dépend. T'habites où si déjà, Nito? Chaud, ah, bah, t'habites à Marseille. Ouais, donc t'as pas, y a pas de clubs qui font du sport là-bas. Mopis, non, alors ça déjà, je ne te permets pas. Personne ne court là-bas. Merci Max Mader pour les 31 mois, t'as remonté. Si, moi aussi, c'est fou ça, les préjugés. Comment ça, là, tout de suite? Non, c'est où est-ce qu'on va dormir qui m'intéresse. Ouais, moi aussi. Moi c'est où est-ce qu'on va. Ouais, est-ce qu'on va encore. Bon, c'est... Tant que j'ai mon lit, moi ça me va. Tu sais, que j'ai mon lit, Nito, tu viens ou quoi? Oui, coach, j'arrive. Je suis... Ah ouais, t'es lent, cas. T'es lent. Je suis lent. Je suis lent, exactement. Voilà. All right. C'est Red... Tu mets un lit ou un matelas, tu vois. Je dors, je m'en fous. Oui, bah pas moi. Enfin. C'est pas qu'il fait trop chaud non plus, quoi. Allez, Red War, il fait difficile. C'est ah, t'as dit ça, tu mets un lit de camp, tu vois, je dors pareil. Hein. Même moi, c'est vrai. Pas du tout cher, à là, je dors. Un tapis. Rip celui qui veut être avec moi parce que je ronfle. Hein. Oh non. Bah, moi aussi, je ronfle. Oh non, vous êtes des tracteurs ou comment ça se passe? Bah, en fait, ça dépend à l'heure que je me couche. Ça dépend. Si je me couche après minuit, je ronfle. Si je me couche avant minuit, ça gremlins. Il faut absolument que je m'endorme avant toi alors. Bah, moi, je vous dis, en revanche, je dors tout seul. Hein, c'est mort. Il y a personne qui dort dans une. C'est mort. Il y a. J'ai ma chambre tout seul dans tous les cas. Au pire, on dort à la Belle Étoile, c'est bien aussi. Ouais, ouais, vous dormirez dehors. On aura tous nos chambres, de toute façon, coach. Oui, bien sûr. Ouais, ouais bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Vous aurez chacun votre tente à la limite. Ah ouais, ok. Ah, j'ai une tente s'il faut, quoi. J'ai une tente. Ok, nickel. Ah ouais, okay. J'en ai pas. Par contre, j'ai pas le chauffage avec. Nito, putain, 19h! Bah ouais. Ah ouais, là. Je suis à l'heure, hein. Ouais, bah non. Non, non, t'es pas prêt à l'heure. Être à l'heure, c'est déjà être en retard, on t'a déjà dit. Vraiment vexé. Mais du coup, être en retard, c'est être à l'heure. Hein, non, essaye pas, essaye mais pas. Non. Toujours pas, non. Nouveau concept. Putain, c'est pas les possible. Mamans avec 6 à l'heure. En vrai, je suis pardonné parce que j'ai jamais été en retard. Non, mais t'as loupé une game. Ouais, et puis. Non, tu l'as. Ah voilà. T'as reçu l'invite? Non. Bravo. Oh bah, c'est valable. Il va recevoir 15 000 invites d'un coup là, pas comprendre. Ok. Ça me sent un peu trop, il a dormi en cuillère. Okay. Déconné. Et ben voilà, let's go. Oh mon jeu, lag. C'est bon, vous êtes là? Oui, on est là à présent. Ça vous dit, on fait un truc? On fait un pari pour le bootcamp? Oh là. Ça dépend, vas-y. De coach. Ça dépend, ça parle de quoi? Ah, on est joueur. Vas-y. Moi, je suis très joueur. Ouais, ferme là. Je vous paye un resto un soir, ou vous me payez le resto un soir. Un resto se joue sur le fait que je mette un round en 1v5. Voilà. Un round? Un seul. Bah attendez, nous tous. C'est inadmissible si je mets un round, hein. C'est impossible. J'avoue. Vas-y Mopis, bascule de l'autre côté. J'ai une question à te poser. Jamais de pari, hein. Non mais il y a combien de games à jouer? Hein? Un round, il t'a dit. Un round. Non mais pas un seul round sur la totalité des rounds d'une game normale, d'un match normal. Bah voilà, c'est pas si simple que ça les gars, abusez. C'est pas si simple que ça, je suis tout seul. Champion du monde. Et alors? C'était avant Jésus-Christ, mon gars. Sur un principe de revenge à 3. Tu donnes la balle à Mbappé face à que des défenseurs, il te met quand même un but, hein. Non, si les défenseurs parlent. Mbappé, je okay, le mange. Pari tenu. Pari tenu. Pari tenu.
pareil. Ok. Pire, c'est quoi, c'est 5 balles du bas chacun, quoi. Non, non, bah non, un resto. Ah non, parce non, que parce si que je choisis un resto, caviar. Ah bah oui, ouais. Parce que lui, il va prendre du caviar. Moi, bah ce oui, sera un petit truc resto, de ouf quand même. Bah oui, mais c'est pour nous, hein. Et puis nous, on va manger. Non, mais attendez, les gars, si on est 5. Si on lui prend un chacun 50 balles. 5 balles chacun. 5 à 50 balles. 5 à 10 balles chacun. J'avais 5. Bon, allez, go. Allez, let's go. Je mange beaucoup. Barrez-vous du live. Oui. Oui. Ok, let's go. Mais barrez-vous de live du truc aussi là. Attendez, bah non, je vais me muter. Vous avez... Enfin bon, vas-y, comme vous voulez. Vas-y, vas-y, passez en dessous. Ils vont te payer un otaku si tu veux les insulter. Ah non, c'est mort. 2 rounds, 10 subs. Qui joue à la manette? Vas-y, let's go les prédictions. 1v5. Bon, je me suis mis en défense quand même. Faut pas déconner. On va voir s'ils ont la capacité de droner, quoi. C'est inadmissible. Je devrais mettre 0 round. Faire des kills à la limite, oui. 1 ou 2 kills. Mais s'ils sont pas cons et s'ils jouent la win... Ils ont juste à pusher ensemble. Et être tous les 5 au même endroit. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Je peux pas tuer 5 personnes d'un coup, quoi. One tap ou cut égale 5 subs. Tricheur. Il a pas vu que j'étais en attaque, je pense. Qu'est-ce qu'il faut prendre, à votre avis? Il a pas vu que j'étais en défense. Je pense qu'il faut pas prendre le bas, ça va trop vite. Il faut les agresser tout de suite vers l'extérieur. Du vigile, je pense, un truc comme ça. Moi je dis petite prédiction. Ah, on attend. Hein. Kitchen. Ouais, c'est pas con. Un bon capcan. Ouais, je sais pas. Il y a trop de drones. Il y a trop de drones pour le capcan, je pense. Justement, les drones, on va les péter. Point 3. Pas dans le garage. L'autre doit être par là-bas. Déjà, on va chercher les drones. On pourrait mettre le premier round, je pense. Je sais pas comment la jouer. Hein. You must protect your bombs from being defused by all four. Un qui vient de casser la cam construction et un qui vient de casser la cam main. C'est ça où je suis. Oh, je le touche pas en plus. Pokémon! En revanche, il y avait 0 drone qui était devant Sinaz là. Bon, on en est sûr, en tout cas, le Deagle Mode ça chauffe pas du tout quoi. C'est un ratap ça. Oh,
Ouais, je pense que Vigil c'est le mieux. Hein. Ils ont le droit de plante ? Oui, tranquille. Secure the bombs. Ces bâtards encore. Ils vont se donner one by one. The bomb diffuser has been successfully deployed. Des cams, qu'est-ce qu'il me faudrait en fait? Valkyrie, hein. De l'info, Kavera. Ouais, je pense qu'il faut rester sur Kavera. Thunderbird, c'est une idée de merde, je pense. J'ai envie de leur faire des gameplays différents. J'ai pas envie qu'ils s'habituent à genre moi qui roam, quoi.
Oh le fils de pute. You are being followed. You are being hunted down. Ah, le bâtard! Oh, genre... Ah, il était allongé! Bien joué, Sinaz. Sinaz, c'est juste le aim qui lui manque. Il a trop de sensibilité. Mais il est smart. Il est très très smart. Et si on la jouait classique? Genre, on prend le top et on les fait chier avec du mute et des trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Maestro? Moi, ouais, j'y crois pas. Hein. Le Jackal? Ouais, c'est vraiment un truc d'enculé, ça, quand même. Très intelligent déjà. Non, j'ai pas le temps de tout faire. What? Op4 is located a bomb. Get ready to engage. Je clique dessus. Allez! Dans le garage. Est-ce que je peux tenter ça, vous pensez? C'était deux. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Ok. Ils refont toujours la même. C'est le mieux. Ouais. Protect the bombs. Jackal et Lyon, quel monde de fils de pute quand même. Je suis obligé de renforcer ça, autrement ils vont gagner trop de temps en fait. Le truc c'est qu'il faut que je spawn kill. Down to 10 seconds.
peux slopper la tête de l'autre en passant. Ça pourrait être pas mal. Bomb located by op 4. Je le bait un peu. Oh, il a de la chatte, mais... Oh non! Fuck. You're exposed. Disable their diffuser. Op 4 located a bomb. Protect it. Location has been compromised. Ah, je vois bien. We failed to disable the diffuser. Op 4 has acquired a bomb. Comment est-ce que je pourrais faire? Avec de la mélusie peut-être. Il faudrait qu'il y ait qu'un seul bomb site quoi. C'est les deux bomb sites qui me mettent dans la merde. Mute, tu coupes les hard jabs. Hein. Piège, lésion. Le truc c'est qu'ils se prêtent bien en fait. Oula. Please, on arrête ça là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a récupéré ce nade. Ah merci la prod, vous êtes des monstres. Op 4 has found a bomb. Où est-ce que je peux défendre tout? Il faut que je mette une arme. Ici. 10 seconds to insertion. 5 seconds to count. Ils sont déjà dedans, je peux pas. Hein. Oh la chatte! Putain, mais il a sponge à mort le Maverick là! Je voulais partir sur l'explosion de l'autre là, hein. Sur l'explosion du truc, je me suis dit peut-être que je peux les surprendre parce que je suis sûr qu'ils allaient prendre la tour rouge. Oh la 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 la, le Maverick il a sponge les balles, c'est ouf quoi! Il a pris 12 balles le Maverick avant de die. C'est pas simple, hein. Parce qu'il faut jouer là. En solo, en soi. Inca. Hein. Inca batteuse, hein. Bon, pff, ouais, en soi, je vois pas trop ce qu'on peut faire. We need to locate a bomb.
C'est le premier round que j'aurais dû gagner. Mais bon, j'aurais quand même dû ban Jackal et Lyon, quoi. Je pensais pas qu'ils allaient tomber dans la facilité de prendre des opérateurs d'enculés qui prendraient même pas en game, quoi. Ouais, je te jure. Les petits salauds. Voilà, c'est impossible. C'était la défense qu'il fallait gagner. L'attaque, elle est impossible. Ingérable. Je ne peux rien faire. Je suis surpris qu'il soit pas venu me jouer à 6 déjà. Nox silencieux. Ah, Nox silencieux, ça aurait été la bonne idée. Ouais. Putain, c'était la bonne idée. Ah, et puis c'est la première fois qu'on les voit autant regarder les cams, ces petits enculés là. Je vais me perdre trop de temps, je peux pas tout gérer. Ouais, ça met du mute, mais quelle bande de sourasses, sérieusement. Oh là là, ils sont incroyables, quoi. Ils sont en haut ou en bas? Je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Rien faire. Merci Babar Escobar pour les 3 mois de frais de scolarité, Max Mader pour les 31 mois. Et bah comme quoi. Ez. Jaeger. Ah, je peux rien faire. Surtout s'ils prennent mute, machin, truc, bidule. Là c'est compliqué. Mais je vais quand même prendre ma revanche. J'ai envie de prendre ma revanche. On a le temps. 19h38. Oh, ça se fait. Ah ouais, on en est là, Jackal, Lyon, on en est là, mute, renforcer les trucs et tout, la première fois de votre vie que vous prenez les caméras, c'est la première fois de vos vies que je vous vois autant sur les caméras, hein. En early, au début du round, bah ça, alors ça je vais m'en rappeler en revanche, hein. Jamais vu ça, une caméra main elle était prise, la caméra 90 elle était prise, la caméra armurée elle était prise, oh bah bien joué les mecs. C'était moi, je suis tout le temps sur les cams moi au début. Non, hein. Non, non, mais tu te fous de ma gueule, je suis spectateur de tes games, espèce de trou du cul. Hein. Et du coup, on m'en joue. Ouais, du coup, on restaurant universitaire. C'est pas grave, okay. C'est toujours un resto. Let's go, la revanche. Resto, hein. Et vous faites pas vos petits enculés là, j'ai rien banni là. À prendre Jackal et Lyon, vous êtes tombés vraiment bien bas quand même. T'as ban Bira. J'ai ban Bira, j'ai commencé quoi à ton avis? En attaque ou en défense? En défense. D'accord, donc j'ai ban Mira contre qui? Contre toi ou contre moi-même? Tu vois la différence? Espèce de trou du cul, va. Let's go. Let's go, faites pas les petits enculés là, prenez les opérateurs habituels si vous flippez pas vos traces. Vous avez flippé sur le premier round quand même, hein? Le deuxième, ouais. où t'as fait la moins 3, on a flippé. Enfin, moi, perso, j'ai flippé. Ah non, le premier c'était si naze. Ouais, j'ai vraiment fait de la merde sur le premier. Let's go. Mais voilà. Pas de bad timing au moment où tu lances la grenade. Du coup, non, je dois t'avoir sur la première décale. La golden. Non, c'est qui bouge. Ah ouais. Oui, sur la première, j'aurais dû vraiment t'avoir. Je savais où t'arrivais, je t'attendais, je te rate comme une merde. Ok, let's go. Revanche. Ok, revanche. Faites pas les fils de pute, c'est possible ou pas? C'est possible. Ouais, okay. Mais y'a quoi du coup à gagner? Si on fait pas les méchants, on a quoi de plus? Pour la première fois de ta vie, t'auras battu un champion du monde. Et la seule fois peut-être. Donc ferme un peu ta gueule, toi. Et prends pas Lyon, toi. Hein? Quel petit connard.
Putain, je te jure. C'est moi qui l'ai dit dans le lion, en plus. Ah ouais, 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 ouais. Bah, vous avez pas de race. Allez, let's go. Bah, on s'est adapté. Hein. Ouais, on s'est adapté. Putain, quelle bande de petits bâtards. Est-ce que je peux pas retourner au menu, en fait? Cancel. Putain, mais c'est con, ce truc. Il est toujours en forme. Ouais, il est un peu trop en forme même. Je vais appeler Claude, son papa. Vas-y. En soi, je suis pas sûr que... C'est pire en fait, un V5 comme ça. Excelsior, Red, il y a qui d'autre que j'ai oublié? Nito, Mopiz. Comment pourrais-je l'oublier? Et le dernier, c'est Sinaz. Non, ils ont bien joué, ils ont bien joué. Bisous, boss. Merci infiniment, Renaud, pour les 17 mois de frais de scolarité. Merci, Babar, pour les 3 mois. Vous êtes des monstres, les amis. Merci, Max Mader, aussi, pour les 31 mois de frais de scolarité. N'oubliez pas, vous pouvez participer au bootcamp pour les envoyer paître. Dégagez là, je vous veux pas dans mon équipe. Ils sont en train de strater. Vas-y là. Mais putain, mais c'est pas possible. Eh, hey, Ubi, c'est quand vous voulez vous régler votre putain de bug de merde là. C'est vraiment casse-couille. Dégage toi. Have fun. S'ils sont pas cons. Ils se suivent tout le temps, en lemmings. J'ai qu'une balle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si, ils sont pas cons. Ils ont que ça à faire. Non, c'est que je pouvais pas relancer une game, il y a 19h43. Après, il y a le match. Vas-y, là, j'ai pas envie de payer un resto, là. C'est mort. Genre, payer un resto du cœur. Non. Quelle bande d'enculés. Ah putain. Ah mais je peux pas gagner. Je suis con. Ah, y'a pas de round. Y'a pas de round là-dessus. Oh, c'est trop de la merde. Je pensais qu'à la fin, comme dans les deathmatchs, quand y avait pas assez de monde et qu'il y avait plus de personnes. Comment est-ce que je pourrais gagner là-dessus? En termes de points, mais c'est pas... C'est nul à chier. Ah l'enculé! Ah les petits cons!
Ils ont compris. 5 points d'écart. Oh, je sais plus. Putain! Mais je peux faire plus de points. Je sais pas, on verra à la fin ce que ça donne. Ils se suivent, ces connards. Regardez-moi ces putains de lemmings là. Oh, les petits oiseaux. Quelle bande de sourasses. Hein. Faut que j'en prélève un à chaque fois. Sans me prendre la revenge. Et 7-4, je gagne. En soi. Je gagne. On va leur mettre la pression. Oula. Oh non. Ils étaient 3. Je devrais pas aller les chercher, ils sont tous ensemble. Il y a des fourmis, le ratus. Ça tryhard fort en face, tu m'étonnes. Oh putain, et ça m'attend là. 8-7. Faut que je tryhard un peu là. Oh non. Allez, connard! Mais c'est bon, 9-8. Je fais un kill à chaque fois. On est bon. Non. Non. Je sais pas si le son est au-dessus ou en dessous. Alors. Non, je vois mon cul qui dépasse. 14. Hein.
y a un resto. Et ça ferait une petite vidéo YouTube. J'ai défoncé en 1v5. Ici. Pas le droit de camper. L'autre il prend Lyon, Finca et Dokkaebi. Non! Ah, faut pas écrire. Oh non, je pars à droite, c'est ça. Oh putain! Je me dis, est-ce que l'autre à gauche va décaler avant? Et je voulais plus bouger, c'est horrible. 1, 3, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Coucou! Ah! Non! Le resto! Oh, le flic est pas passé celui-là. 30 seconds remaining. Oh, je loupe. Ah, je loupe, je loupe, je loupe. Je loupe. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. Oh là là, je loupe. Attention, attention, la mauvaise foi arrive, vous êtes prêts? Bah alors? Oui, bah alors? Bah c'est pas grave, tu nous payes le resto et on paye le tien, c'est pareil. Parce qu'on a gagné avant aussi, je te rappelle. Ouais, mais ça comptait pas, vous avez fait les petits enculés. Ah, hein. Ça comptait pas, bah ouais. Directement, les gravons, ça comptait pas. Ça compte pas, vous comprenez, vous avez fait. Ok, la belle, la belle, la belle. Sur Oregon, sur Oregon. Alors, la Oregon. Belle sur un autre mode. La belle sur un autre mode, quel mode? Oregon. Pas, peu importe, on a fait un premier mode normal, un premier mode comme ça, tu trouves un autre mode. En quick play. Sur Favela. Non, non, mais coach, il est 19h54. Ouais, ça va être compliqué. Ils attendent à 20h, là? Il y a des chances, oui. Ouais. Ah, parce qu'autrement, Oregon, mais vous faites pas les petits enculés à prendre Lyon, Jackal et Dokkaebi, quoi, sérieux, mais quoi. Mais dans tous les cas, on aurait gagné quand même, Six. Parce que bon... On est okay, supérieur, quoi. Ok, ok. Quoi, quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? 1v5, mais vous jouez pas les gadgets, du coup. Vous allez pas faire les petits bâtards quand même, pas de drones. Genre les drones, on n'a pas le droit. Les drones, non, 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 droit. C'est... Bah non, tu peux faire la même chose, mec, si t'es pas trop bête. Vous te suivez tous. Le but du jeu de faire du 1v5, c'est pas juste faire un 1v5 et bouffer un resto. C'est juste vous expliquer le principe de la revenge que vous avez toujours pas compris. Je ne peux pas tuer 5 personnes d'un coup. Sur le Golden Gun, là, vous avez bien compris. Là, il y a quelqu'un forcément qui a dû donner le call. Si on suit tous, bah on est bon, oui. En fait, parce qu'il a qu'une balle. Et vous comprenez du coup le principe de la revenge. Moi, ça. Non, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Bolos, t'étais à l'autre bout de non, la non. Map, là-bas. J'imagine, je suppute que ce soit Red War qui, au bout de 30 secondes, ait réfléchi et donné le call à tout le monde, non? Non, 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 c'est moi.
Non, non, Nito, non, non. Non, non, je commence à vous connaître. En fait, au début, Red, il a dit, on se met en groupe, ceux qu'on ne trouvait pas, du coup, j'ai émis l'hypothèse qu'on fasse deux groupes de deux, un groupe de deux, un groupe de trois, du coup, au final. Ah ouais, comme dans les films d'horreur, quoi. Le problème, c'est que du coup, on est cinq, on n'a qu'à faire cinq groupes de un. J'ai rapidement dit, du coup, en effet, arrêtez d'être cons, venez, on se met tous en groupe et il pourra pas tous nous avoir en même temps. Le problème de la revenge, c'est qu'on avait déjà des points de retard. Donc même si on faisait la revenge, oui, on accumulait quand même le retard. Donc à un moment donné, il fallait quand même se donner de la possibilité de pouvoir rattraper. Donc c'est pour ça qu'on a divisé après, mais c'était pas le bon. Néanmoins, tout à l'heure, est-ce que vous avez pas... Même si vous avez gagné, est-ce que vous avez pas mal joué le... sans parler des gadgets, qui était bien joué au final, par rapport à ce qu'on vous donnait. Mais est-ce que vous pensez vraiment que d'attaquer l'attique pendant que d'autres attaquent le main, pendant qu'un attaque le machin, et de garder les mêmes choses, les mêmes trucs qu'on vous a appris en 5v5 avec des gadgets en 5v1, est-ce que vous pensez pas... Vous vous rendez compte que si vous faites à la queue le, à moins d'un C4, un truc à la con, tu vois, mais si vous faites à la queue le, vous dites, bah venez, on y va, on le joue. Le premier prend un blitz et il y a quatre bonhommes qui le suivent derrière. Vous avez même, je peux pas tuer les cinq, quoi. Oui, mais si on avait pris blitz, on dit ouais, gna, on prend blitz. Ouais, bah si tu viens, du coup, maintenant, oui, je prends oui, c'est clair. Non, mais c'était juste, oui, tu as raison. C'est clair que j'aurais gueulé si tu prends blitz. C'est pas cool, quoi. Mais bon, dans le même principe, si vous êtes cinq, tu peux pas tuer cinq personnes. Mais bah, si quoi. Tu veux, on fait la belle et on prend blitz. Hein? Mais non, du coup, Mopiz, on n'est plus dans cette optique. Et les autres, c'est vrai qu'au début, sur Oregon, j'avais dit qu'il fallait jouer la revenge, du coup, au final. Oui, parce que donc... le but du jeu, c'était le but du jeu, quoi. Ok, donc comment est-ce qu'on joue la revenge, en fait? En tuant celui qui a tué notre ami. Sans déconner, Mopiz. Coordonnant et en pushant à plusieurs. Ouais, non, enfin, en y allant à la queue leu leu, entre guillemets, quoi. Vite fait, entre guillemets. Le but du jeu, c'est vraiment d'y aller dans une logique de t'y vas en premier et de juste laisser. À moins que le mec, il ait le call. C'est juste laisser cette espèce de demi-seconde. De demi-seconde où la personne vient de faire le kill et t'es à peu près sûr que derrière, elle va pas avoir le crosshair placement au bon endroit. Et toi, normalement, tu vas jouer sur cette demi-seconde. Pour déjà avoir le call en règle générale donné par ton pote, mais surtout le fait que le mec soit en train de se replacer en face, très probablement avec son crosshair qui est pas au bon endroit, et en plus d'avoir les tracés des balles de la personne qui est en face, donc te donnant la possibilité de savoir exactement où est la tête. Étant donné que R6 c'est un jeu, même sur les décals et les mécaniques, c'est un jeu de d'information en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est avoir les bonnes infos. Si le mec décale et que tu sais où est sa tête parce que tu sais où il a tiré, tu sais d'où il a tiré et etc. Bah la revenge normalement tu vas la gagner dans 70% des cas c'est toi qui vas gagner ton duel quoi. Ton pote va mourir et toi tu vas mettre le duel et pour ça il faut juste être collé à genre 60 cm, 1 mètre derrière ton pote au moment où il va décaler dans un endroit quoi tu vois. C'est tout. Faut pas avoir la possibilité de se prendre un gros spray dans la tronche mais toujours être dans la logique de ok je sais exactement où il est. Parce qu'il va y avoir toutes ces infos-là. T'arrives, imaginons là, vous passez, vous rushez tous dans le main. Vous passez tous au niveau de l'esca main armory. Vous arrivez tous à peu près, on va se rencontrer à peu près au niveau de sous la caméra en final. Vous voyez ce que je veux dire ? De la caméra armory. Oui. Voilà ce qui va se passer. Oui. Le premier va se prendre une énorme tête, ok ? C'est à peu près normal, c'est pas grave ça. Oui, le premier oui. va se prendre une énorme tête. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce quart de seconde au niveau du second, au niveau du deuxième ? Bah le deuxième... Il va tirer, hein. Il est, vous le voyez la scène, il est à côté du mur, le mec. Il commence pendant ce quart de seconde à se décaler légèrement pour aller mettre son viseur à l'endroit où il pense que la tête est du mec en face. En règle générale, il va savoir où est la tête en ayant déjà, comme les infos qu'on vous a dit la dernière fois, d'où viennent les tirs blancs, là. Donc, est-ce que le mec est allongé, accroupi, etc., machin. Le son, qui est le plus important... Est-ce que vous pensez qu'il est au contact à droite ? Est-ce qu'il est de plus loin ? Est-ce qu'il est très très loin ? Est-ce qu'on n'entend pas trop le son, tu vois, etc. Et bien évidemment, en fonction déjà de ces éléments-là, de savoir plus le call peut-être donné à son teammate, mais ça va assez vite, à moins qu'il donne vraiment le call port-trophy, tu vois, un truc très très rapide. Bon, bah, dans ce cas-là, vous savez qu'il est port-trophy à gauche et vous savez exactement où est sa tête. Et étant donné que vous avez travaillé vos lignes, ou en tout cas, à force d'expérience, vous connaissez les lignes, alors avant même de décaler, vous connaissez l'endroit où se trouve sa tête, en fait. Il n'y a pas besoin de... C'est juste, une fois de plus, de la... Le principe de revenge, c'est juste du par cœur. Donc, le fait de l'avoir fait plein de fois et de connaître les lignes.
et en plus, enfin, et de la communication, enfin de la prise d'information en fait, et de la prise d'information instantanée comme ça en deux secondes. Je sais qui c'est, où il est, et donc où est sa tête. Ouais. Ok. Et donc je peux décaler à ce moment-là, quoi. Tu vois? Non, c'était pas très clair. Si si. Okay. Ah, si, du coup, on a le plan en tête. Donc, vous n'avez pas besoin de d'ouvrir les. Après, vous pouvez le faire en mode propre, péter des drones, etc., etc. Mais plus vous laissez la possibilité au mec de réfléchir en face, à savoir moi, et plus ça a failli vous coûter les moins 2, moins 3, et ça aurait pu être plus compliqué sur la fin, quoi, tu vois. D'accord. Vous voyez ce que on je veux dire qui est sur le second round où tu as fait la moins 3, du coup. Parce qu'on était, on s'était déjà éparpillé dès le début, un peu au final. Conspiré, ouais. Bah c'est la même chose, moi le but du jeu du coup c'était au moment où je fais la moins 3 je pense que je fais un kill au niveau de la construction. Parce que le premier truc que vous faites déjà c'est que vous cassez les deux caméras, vous tirez avec votre arme principale sur les caméras. Ça c'est un truc, bon on s'en fout en pro c'est pas un problème quoi. Mais à un niveau gold ou en dessous, vous pouvez tirer avec votre arme secondaire ou attendre un peu avant de tirer sur la caméra quoi. Parce que ce qui se passe, le problème c'est que là tout de suite, moi je suis au niveau de l'office en gros. Et je sais qu'il y a, je sais qu'il y a des gens qui ont spawn construction. Et je sais qu'il y a des gens qui ont spawn main. Je peux déjà dire aussi quasiment quelles sont les armes, quoi. Donc j'imagine qu'il y avait deux mecs street et deux mecs constru, en final. Et en sachant ça, juste en entendant le tir dans la caméra, je savais aussi qu'il y avait personne au niveau du junkyard. Du junkyard, c'est la cour où j'étais, quoi, au niveau de l'office. Oui. Je savais en revanche que j'avais la possibilité de faire un spawn kill à droite, parce que s'il cassait pas la cam en décalant au niveau de l'éolienne là, bah c'est qu'il allait très certainement passer à droite pour ouvrir sa ligne, parce qu'elle est un peu pute cette caméra. Et ça c'est que du par cœur. Donc je fais le kill et après bah, je vais vous chercher un par un, je sais qu'il y en a un qui va pusher au niveau du main, et les autres vont prendre la red tower, vouloir pusher au niveau de la red tower avec, pour prendre la tick, etc. Mais parfois il n'y a pas besoin de se prendre la tête quoi. Cette situation-là, elle ne se reproduira pas. Du 5v1, ça ne se reproduira pas, quoique. En revanche, du 3v1, du 2v1, à 30 secondes de la fin, 20 secondes de la fin, il faut avoir cette capacité de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et parfois, quand on dit « on le joue », quoi. Et ça veut dire « on y va ». On fait un grand tout droit et on va lui défoncer la gueule. Il y a un moment, on arrête de déconner, quoi. Ok ? Ok. Ok, bah c'est bon. 20h02, du coup, je les invite. Wow. J'ai fait les pistes avant. Faut que tu relances. Ouais, je pense pas qu'on va faire du Golden Gun avec eux. C'est jamais. Ouais. C'était un malentendu. Mais en soi, j'avais pas compris le Golden Gun au début. Je pensais que ça faisait. Tu sais, ça comptait les runes quoi. J'avais complètement oublié que les runes c'était les. Ouais, donc non, c'était un peu. C'était pas super. Avant, c'est des runes. Mais dès qu'on s'est packé, on a eu un peu de mal à te trouver. Quoi. Bah ouais, après, j'avais juste à prélever un mec et vous auriez au pire pu prendre une revenge. Au final, je pense que je suis avantagé de toute façon. Donc c'est pas super. Ah bah, quand t'en as affaire numérique sur un genre de TDM, c'est plus facile de mettre des points. Oui. Que pour si, vous... si t'en tues 5, nous on t'en tue qu'une fois par une fois à chaque fois, donc c'est plus long. Oui, clairement. Et je pensais pas que c'était comme ça. Au début, j'étais surpris. Ouais. Je pensais que ça allait, à chaque fois, ça allait recommencer un round et ça allait vous faire spawn ensemble. Et moi, ça allait me faire spawn ensemble, tu vois. De vous laissant donc la possibilité de vous dire, ok, où est-ce qu'il est, comment on fait, est-ce qu'on le joue, est-ce qu'on le joue pas cette fois-ci, etc. etc. Voilà quoi. Let's go. Merde, c'est pas ça qu'on voulait. Bah, je vous invite. Yes. Bah, je suis épicier, j'attends l'invitation et je vais au story. Ouais, je vous invite. Oui. T'as rejoint là. Akui. C'est Akui. J'invite Nir. Exactement. T'as vu ? Voilà. Je suis médium, Akui. Merci Poulette, un monstre. De rien, bonne soirée. Et envoyez plein de GG s'il vous plaît pour Drick quand même qui vient de lâcher 20 euros, c'est monstrueux. Merci Poulet d'avoir mis 20 euros dans la cagnotte. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît pour lui. Il a été absolument monstrueux. Merci Mister Boo pour les 16 mois de frais de scolarité, Renaud pour les 17 mois, Babar Escobar pour les 3 mois. Vous êtes des monstres. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Drick. Je trouve magnifique. J'aime bien, ouais. MCES quoi ? Attends. C'est MCES ça. Ou Phase. Je crois que c'est Phase. Ah ben, ni l'un ni l'autre. C'est l'OM. Soit c'est l'OM aussi, ouais. Non plus. Vous êtes sérieux quand vous avez dit l'OM là ? Oui, évidemment que non. Je sais pas, mais ça a l'air moche quand même, non ?
De loin. De loin, ouais. Youngti, non. Bah non, du coup, non. Non. Et les Wolves, maintenant. On n'est pas sponsor par, par Orange. Attendez, je vous invite, du coup. Nito. Red. Oui. C'est les Wolves, maintenant. Oui. Foxes. Il fait Excelsior. Attends, qu'il m'invite, que je vais te mettre. Let's go. Comment ça, Foxes? Je sais pas, c'est ce que quelqu'un a dit, moi je répète comme un con. C'est ça que vous appelez envoyer des GG et des cœurs, sérieusement, réveillez-vous un peu là. Quelqu'un qui lâche 20 balles là. Right. Vous seriez, vous seriez sympa quand même. Ouais. Du coup, attendez, Nito c'est fait, Mopis c'est fait ou pas? Yes. Non. Excel aussi, il manque. Excelsior. C'est fait. Excelsior, Mopis, Red War, Sinaz. Red War c'est fait. Nice. Sinaz c'est fait. Et Nir, c'est fait, en face. Bah mettez-vous en attaque, du coup, ce serait sympa. C'est quoi le nom de l'équipe à Kouy en face? Non, c'est pauvre. Il me faudra le nom. Peach, ok. Comme la princesse. Bah mettez-vous changé, en... Du coup, hein. Ouais, mettez-vous en bleu, de toute façon, je peux en, changer. En bleu. Ah. Ouais, mettez-vous... Non, mettez-vous en orange, c'est bon. Ah. Mettez-vous, c'est le plus simple et bougez pas, quoi. Ok, c'est bon. C'est bon ? Ok. Ouais, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. En plus qu'Excelsior qui revienne des chiottes, on est good. Oh, le mec, il a une vessie de moineau, quoi. Je finis ma game et j'arrive à regarder le live. Et bah ok, Azox. Hein. Bonsoir. Mais bonsoir. 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 Oh, je vois rien à droite qui apparaît là. Bonsoir. Est-ce que c'est ma pote, hein. C'est pas grave si je joue à la manette ou pas. Hein? Qui c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? J'ai pas les noms qui apparaissent à droite. C'est le Shelville Vexix. Non. Shell, à la fin. Ouais. Faut qu'il achète une poche. Merde. Vive Krusty, merde. C'est les meilleurs. Krusty, c'est qui Krusty? Apparemment, ouais, t'as du fan club Krusty. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ah là là. Est-ce que tu fais partie? Est-ce que t'en fais partie? Non, pas du tout. Oh, vas-y, fais chier. Il y a ses Freeze. Il a dit let's go Krusty. Ah là, mon meilleur pote. Je te fais la bise. Ok. Pitch, t'as très un enfant. Excelsior, il fait quoi là? Je suis là, je suis là. Ah, mais on a plus ta caméra, mec. Oh, merde, toi. Tu fumes un joint là ou quoi? Non. Non. Non, je fume ça, moi. T'as une tête de fumeur de hackick. Oh. Hein. Ah non. Ici. Je sens des choses. Je sens que tu fumes du hackick. Bah alors, oh, merci Phil Sentinel pour les 36 mois, t'es un monstre, poulet. Je te pensais pas comme ça. Hein. Non, mais c'est bon, il se met. Eh, Sinas, c'est bon pour venir avec nous, du coup, au bootcamp, j'ai plus besoin d'appeler ton père, ça ira. Hein? Ouais, t'inquiète. Non, mais sérieusement. Mais je fais que de dire à mon père, il me dit, ouais, j'ai oublié, je le ferai demain matin. Le matin, je mais le en soi, parce que là, il y a un groupe WhatsApp avec tous les parents. Hein? Il y a un groupe WhatsApp avec tous les parents. Il a sur son John Deere là, il a sur son tracteur, il peut mettre WhatsApp ou pas? Ouais. Ok. Eh ben c'est parfait. Il met WhatsApp. On le met dans le groupe avec tous les parents et comme ça il est rassuré. Ben je vais essayer de le faire avec lui ce soir. Ah ça serait une bonne chose. Et tu lui dis de m'envoyer un. Je lui dis, il me dit ouais. Non mais au pire il le fera demain matin. Hein? Ouais, t'inquiète. Non, mais après quoi, je dis à mon père, vas-y, tu vas le faire? Il me dit, ouais, je vais le faire, t'inquiète. Et le matin, enfin le lendemain, je le vois, il me dit, bah, j'ai oublié. Ah ouais? Mémoire courte un peu. Vous êtes prêts?
Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Mopiz? Ils ont dit ouais, parce Ready. Que je vois pas les noms qui apparaissent à droite. Ready, oui, okay. Ready. Il y a plus de texte, il y a plus de chat, il y a plus rien. Les gars, on a intérêt de gagner, moi je le dis. Ouais, mais Mopiz, déjà tu rallumes ta lumière, toi, tu te concentres un peu, tu te remets sur le dos du machin là, parce que monsieur là, j'ai pas envie, moi l'e-sport, je m'en bats les couilles, etc. J'ai envie de devenir astronaute, ok. Écoute, casquet là, d'accord, tu te remets bien parce qu'il y a plein de petits qui aimeraient bien être à ta place, d'accord. Donc tu profites de l'expérience et tu fais les choses bien, ok. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Mopiz, compris. Oui, coach. Coach. Donc voilà. je veux le Mopiz des grands jours. Approche-toi de la caméra, fais-nous un grand sourire déjà. Rire de con. Oh petit, allez, va falloir. Et l'orthodontiste, hein. Allez, let's go. Non, c'est pas vrai, t'as des belles dents. Allez, let's go. Beau gosse. Bah, j'ai des bagues. Ah ouais? Ouais, moi aussi j'avais ça. Le ouais. Mais ça c'est après t'es beau gosse, mec. Ah, je sais. Bah, je suis Dieu. Hein? Hein? Non, après tu seras beau gosse, après, quand elles seront enlevées. Ouais. Ah oui. Ah non, mais il fait trop le petit con là, ça c'est pour avoir pris Lyon, sérieux. Hein? Allez, let's go. La partie de la pris Lyon. Ouais, c'est contre le Lyon. Hein? Allez, have fun, let's go. Tu l'as vraiment une haine avec ton Lyon. Voilà. Bon, comme d'habitude, on essaye de se mettre tout de suite dans le bain, on commence en attaque de toute façon, donc on sait très bien que c'est pas ce qu'on aime. Donc focus tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, moi je vous mets dans le bain. Mignot. Oh merde. Petit flop. Ton téléphone. Mais t'as il se passe quoi avec ta caméra, toi? J'ai fait tomber le téléphone, attends. Oh là 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 là. Badaboum. Nito, lâche ta clope. Nito, tu fumes? Non. Je sais pas, il y a marqué Nito, lâche ta clope dans le truc. Il est en mode Maverick. Oh les connards. C'est pas grave. Oh non, les connards. On balle quoi. Vous pourrez faire moi. Avec... Finger, non. Allez, let's go, have fun, les amis. Ying. Allô. Capitaine. Ying. Bon bah du coup, on a Thatcher. Ying. C'est un bois fort. Je quand même. Valkyrie. C'est fort quand même, Thatcher. Ouais, Valkyrie, ouais. Du coup, on a Maverick en moins. Mais on a un Thatcher en plus. Ouais. On a un Thatcher. Thatcher, il le voit pas, Maverick. Vous voulez pas ban un truc qui électrifie Non. Regarde. Ouais, on aurait pu ban un Kaïd. Ouais, ok. Mais bon, Valkyrie, c'est pas vraiment un problème, quoi. C'est chiant, Valkyrie. Hein. C'est chiant, Valkyrie. Ouais. Personne ne joue plus Valkyrie. Ouais, ça on sait pas ça. Oh, ils l'ont joué. Comment on peut savoir que personne ne joue du coup? Sinaz, tu me reprends pas. Hein. Tu commences pas à te mopiser. En plus là, moi c'est très compétent, moi j'ai la flemme agite. On s'en fout. Eh, c'est la troisième fois que t'essayes de nous placer ton mot là, c'est bon, on est pas au Scrabble. Ouais. Pardon. Allez, pas tous en rue là, à la rue là. Mais moi je passe avec toi, Edouard, du coup. Non, tu vas chantier du coup. Et du coup, il faut que Sinaz prend Thatcher ou avec Thatcher. J'ai Thatcher. Mais non. Mais comment tu ouvres le chantier du coup, connard? Ouais, mais comment ils ouvrent le terrain? Mais ils l'ont toujours ouvert le terrain, sans le Thatcher. Avec moi, j'ai toujours ouvert le terrain. T'es pas con, toi? Ouais, j'ai pas con, je réfléchis, mon pire. Il a 2 neurones en plus que toi. Fais gaffe. T'es pas con, toi? Wouah! Eh, Sinaz, tu peux le voir mâcher à 4 kilos. Eh, hey, Mopiz! Je te dis. On va le voir sur. Allez, stop, les gars, stop! Mais fais pas le marque, Mopiz! Drone est utilisé, toi là! Drone, l'info, vite! Mais fais pas le marque, Mopiz! J'ai drone! D'accord, je le fais bien, hein! Ah non! Ah, c'est Sen! Sen! Le call que j'ai. Meeting! Ok, on se replace du coup, go! Petit tour, ouais, décharge. On se replace. Ils ont pas. Ouais, let's go. Hop. Non. Newcastle. Replacez-vous. Décharge pour un petit tour. Ils vont se faire défoncer. Vous vous replacez ou comment? Mais ça... Je suis replacé, moi. Mais s'ils sont en scène, qu'est-ce que vous. Eh, y'aura pas la belle ce soir. Si vous perdez le match là, le resto il est pour vous. Ouais. Ok, si vous le gagnez, du coup, il est pour moi. J'ai pas diffusé, frérot. C'est moi, j'ai diffusé. Ah. Tu vois le truc de la caméra, Axel?
Bah ouais, du coup là, ouais. Ouais, ouais, tout à l'heure il a décalé à gauche de la caméra. Arrête de faire des trucs comme ça, Nito. Bah ouais, du coup, j'ai décalé à gauche et tu m'as. Naz, pourquoi t'es là-bas? Tu m'as fait mal. Je sais même plus comment on l'attaque. Ouais, bah on fait pas la même erreur. Ah, c'est pas genre, c'est pas bien ça. Je vous ai dit de vous. Pas sérieux ça. Pas sérieux ça. Ok, c'est bon, on peut rentrer. Il y a Medusa, cool. Le drone, Pour la big window, Je laisse un drone green. On prend la trappe. Prends la trappe à check. Si tu veux, mais on peut ouvrir ça aussi. Ouais, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Faut d'abord prendre la trappe à check. J'ai personne au fils, Red. T'as pas un carré? Il y a personne. J'ai eu Melusi. Nice, nice. Comment les gars? Je peux rentrer moi, pas, avec celle sûre? Oui, tu peux rentrer. Juste en dessous, s'il y a pas un C4. T'as pas de C4. Attends, on peut même pas passer. La bombe, drone. Là, la bombe B. Y'a un mec, y'a un mec. Ça, ah. Oh non, il m'a push, Tire en bas, Il y a une personne. Ok. Je te cale un drone. Une flamme, au niveau de yellow ou un truc. Il est pas dans mon drone. Juste castle. J'ai vu. Mais de toute façon, on va pas que les sont. Allez, go. De quoi, Sinaz? J'ai avec vous. Ok. Ils sont en train de checker la cam yellow. Pète la cam, c'est clair, hein, tu peux péter la cam, vas-y. Il aura l'info, mais pète la cam. 90, hein, y'a pas de vélo. Pas bien placé, il regarde derrière la bombe. Y'a quelqu'un au niveau de sécurité, fais gaffe dans la Diego. On peut toujours pas passer, C4. Et j'ai perdu mon drone. Ok. On a 56 secondes, les gars. Merde. Vas-y, on pisse, Merde. De toute façon, les gars. Putain, je peux pas rentrer. Non, j'allais les conneries. Non, on peut pas rentrer, mon pisse, viens ouvrir là. Comment, faut ouvrir la scène. Red. Quoi? Non, j'ai pas d'infos. Si, au fond, au niveau du bloc, le Jaeger, il est au fond à droite. Au niveau du grid, merde. Derrière le mur frigo. Derrière la cuisine. Il est au niveau de la frigging. Cuisine. Cuisine. Mais comment il est pas mort? Non, je vais le faire bouger avec mon. Merde, il a cassé mon air jab. Ah, mais t'as pas de diffuse, Red. Là le problème. J'ai eu Jaeger. Vite, les gars. On plante. Oh merde, on peut pas planter. C'est mort. J'ai pas la bombe. Ah, ouais, non, c'est la bombe. Tu l'avais? Non. Non, je l'ai dit des bombes. C'est pas grave. C'est moi avec qui banage, j'ai merdé, c'est moi avec qui banage. Ah, sent bon le restaurant. Il fait quoi lui? Bah t'as un mauvais odorat. Hein. Et il profite. Mauvais odorat, ouais. Attends, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il peut ouvrir? Mais en fait, il banage, c'est très bien, frérot. C'est juste que. Prends ta tueur, je vais la prendre. Merci Quentin pour les 5 euros. Les pauvres, ça fera un kebab. Ah, vous êtes des monstres. Merci beaucoup. Si seulement t'as le GT, on va faire un truc. On est bon. J'ai pris le diffus. Oui, parce que si j'avais eu le diffus, j'aurais pu planter au niveau de. Sur le donation goal. Moi, j'ai pris le contrôle de sécu en fait. Soyez là, ils le savent pas. Mais soyez là la semaine prochaine. On va faire autrement. On va réfléchir autrement au niveau de la bombe. Ça, au revoir. On était pris un peu du moins sur Twitter et venez sur Discord. Vraiment. On a prévu un truc sympa. Drone rapidos, on se replace s'il vous plaît. Mais je crois que moi j'en ai tué un AFK. Next round, ils sont où? Basement. Ok, je vais prendre un floré. Est-ce que j'irai pas avec vous pour ouvrir les replays? Faut jouer meeting, c'est qu'il l'attrape. Comment je fais? Ok. Ouais. Ah ok. C'était une question. Il y a une mélu, niveau flag, elle part sur meeting. Ça tient la tic. C'est des Heroines, elle a fait 100€ de gain. On est bon sur le truc, hein, je vous avais dit. Hein. Il nous fallait 1800 balles. Et 3005 c'était à cause de Streamlabs, parce que je suis obligé de mettre un max. Mélu est en haut. Donc tranquille sur les dons. En fait, le problème après, c'est que s'il y a trop de dons, vous allez dire bah alors vous avez utilisé les 3005? Non, on a utilisé que 1008. Je vais pas les inviter au Carlton.
Donc c'est quelqu'un va au niveau de 20 kilos, enfin non, parabole. Parabole, est-ce que... Enfin non, on fera des maillots héros d'Oregon. Je suis con. C'est la... Au moins il est bâtour d'Oregon. Attends, si vous prenez, si vous prenez le main, si vous prenez le main, ils ont renfo ici à l'ESCA. J'ai vu Womai. On sera tranquille là-dessus. Ils ont électrifié. On peut rentrer. Il y a une rota sur le Hachik. Vas-y, rentre. Ah, mais je suis. Rentre, mon piz. Et il y a le mec Hachik. Il y a la milice Hachik. Milice Hachik. Quel côté? Bien sûr, vas-y, go. Les... Au niveau du cochon. Je te drone. Il y a rien au niveau de la porte. Il y a peut-être deux, il y a quelqu'un. Au niveau de quoi? Peut-être deux, il y a quelqu'un. Avec le shield. Bah, lance ton. Ouais, j'arrive pas à l'avoir en fait, il m'a niqué tous mes. Je drone, Sinez. Vas-y. Ok. Là, il m'a cassé mon dernier. Et je vais pas aller plus loin avec mon drone. Ça ramène une clé mort si t'as une clé mort, voilà. Non, okay. Il est toujours un peu comme ça. Il est au pompe, il est au contact en plus. Bah ouais, c'est ça qui m'emmerde. C'est pas grave, on ira le smoke. Mon pitch, il est peut-être toi qui est au meeting. J'arrive. On a Sinez, on a Nito là. Et rien pu faire là, du coup il faut vraiment qu'ils open pour nous dégager un peu. Ouais. Fais gaffe à ton bout dessus, mon biz. Normalement il y a quelqu'un. Les gars, on compte sur vous pour bien faire le taf pour qu'on push après. Bon. Vous avez Ace, c'est Ibana qui ouvre une trappe. C'est pas Ibana qui ouvre une trappe? Bah, je sais pas, moi j'avais posé mes trucs mais. Bah ouais, bah alors. Bah, il non mais qui dit trappe dit Ibana, les amis. Hein. Y'a quelqu'un au top, y'a quelqu'un au top, Nito, y'a quelqu'un au top. J'ai entendu des pas. Ok, il a déclenché, il en a déclenché combien que c'est sûr? Deux, je crois. Or au top. Oh, j'ai bégayé. Minimum. Ok, nickel. Je smoke tes deux. Qui est mort au top? Qui, quoi, où? Il a mis ses trois smokes. Qui, quoi, où, Sinez, allez go. Mais Lizzie est mort au top. Au top, au top, c'est un peu vague. Autoroute mort. J'ai drop. Mais Lizzie mort tactique. Moi j'ai pas cassé. Je suis on site. Allez-y. Cover. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mort et qu'on est nombreux? On coiffe, on s'arrête plus, il plante. On coiffe. Tu coiffes l'objectif. Allez là, tu aurais dû faire un tout droit, Nito, direct. Ah ok, smoke blue. Il est T2, il arrive chez Eko. Je peux pas louper ça. Non, il est ok, quand quelqu'un est mort ou quelqu'un est tué, qui, quoi, où, ok. Mort top, c'est pas mort, mais Lucie Attic. Le top, c'est long, quoi. C'est grand quand même, ok. Soyez quand même précis sur les calls. Ça peut aider quelqu'un. Ah, ok, c'était Mélusie. Ah, parce que Mélusie, je l'avais vu dans le main juste avant, ok. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'ai pas terminé. Le deuxième point, quand il y a quelqu'un qui est en train de planter, là, le pire des trucs, vous pouvez pas faire de body block hein, dans le jeu, hein, ok. À moins d'être un shield et ça se fait très peu au final. Donc, faut pas rester. Si vous vous retrouvez en fait à un moment à être la première ligne, à la plante défaut. Et que le mec, la personne qui va planter, le planteur, vient sur votre endroit et vous dit en gros « pousse ton cul, il faut que je plante », c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et là, vous pouvez back en fait, mais le meilleur des moyens, surtout quand vous êtes en supériorité numérique, là c'est de vous faire un grand tout droit. Là c'est là que Rainbow Six se transforme en mode deathmatch. Vous vous mettez en mode « je continue, j'y vais tout droit, bah les couilles », vous mettez en mode chasseur là. Faut aller faire le kill, faut aller emmerder le mec qui va être sur le maestro, faut aller faire le kill là. Parce qu'au moment où ça plante, il y a de grandes chances que des mecs soient avec un C4 dans les mains, une smoke dans les mains, sur leur maestro, et c'est là qu'il faut aller les emmerder. Donc si la bombe se plante et que vous avez rien à branler, on coiffe l'objectif. On va plus loin que l'objectif. Let's go. Okay. C'était bien joué. Non. Bien joué, Sinez. C'est parti. Et du coup, Sinez, je te permets de prendre la parole, c'est que la trappe, moi qui suis différent. Non. Ok. Il y a des chances qu'ils sont en haut. Il y a du Mozi. Ouais, Sinez. Quand tu vois une trappe, Sinez, avec ton Ace, tu te dis est-ce c'est pas mon taf. Est-ce que le Mozi est en haut? Il est en train de descendre les escarmuries. C'est le chemin basique que je fais d'habitude. Et ça renfoue le... D'accord, ok. Ça mais néanmoins, si t'es un Ace et que t'arrives sur une trappe et que tu vois qu'en haut de ton écran, il n'y a pas d'Ibana, qui est un petit peu la personne qui doit s'occuper des trappes. Ibana et Maverick, c'est un peu leur taf par rapport à toi. Tu n'es pas vraiment l'expert de la trappe par rapport à ton truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, tu regardes en haut de ton écran, tu vois si c'est possible en fonction de leur disposition et en fonction de leur endroit sur la map, s'ils peuvent venir t'aider. Il y en a un meeting. C'est à eux de venir faire le taf.
Ok, tu les calls. Ils sont où du coup? Ils sont au top. Ok, Sinaz. Ok, y'en a un, Mitig. Mitig, attention. Oui, oui. Ok, parce qu'on a perdu ta caméra. Ouais, surchauffe, tu connais. Bah ouais, je le connais, mais faudrait mettre un, je sais pas, un ventilo ou un truc. Laissez-moi pas rentrer, Nito. Il fera gaffe, laissez sortir. La trappe garage est ouverte, c'est renfoi avec du castle à la fenêtre, armurerie. Ok, je laisse ma cam green au cas où quelqu'un meurt. Y'en a un au niveau de l'armurerie, il y est, hein. J'ai laissé ma cam. Dans le white, Moody dans le white, il revient sur Z. Excelsior ? Ouais, ouais. Comment là ? Merde. Il est dans Excelsior, la sécu. Comment ? Moody, c'est. Oh, j'ai plus de... je trouve pas le. Ils ont un caïd, ouais. Y'a un Jäger là, y'a Moody. J'ai des trains détruits. Vas-y, vas-y. Moody. Moody cochon. Faire pas de temps, y'en a un armurerie, il faut qu'on se le fasse. Fais gaffe, la trappe armurerie. Et open. Ouais, j'arrive. Cochon, je suis cochon. En parmure open, t'as l'info s'il y en a ou pas? Là je drone. Y'en a un là-bas au fond, bedroom, enfin armurerie c'est comment? J'ai pas l'info de l'armurerie, je sais pas si c'est clair ou pas. J'ai ok. Pas à l'intérieur. Je vais droner, j'ai encore deux drones, je vais droner. Du cochon moi les gars. Oh comment ça? Bon c'est pas ouf ça. De lui superposer bandit toujours. Les sorties de sortie là. Je descends. Sortite. Je vais prendre le garage. Il est derrière le. J'ai la cam sur ton back, Nito. J'ai la cam sur ton back. Oh le bâtard, ok. Y'en a un armurerie, m'a tué. Mort armurerie. J'ai pas vu qui c'était, mais. Castle. Un sur ping. Sur ping. Mort. Encore mort à Mairie. Et un V3 Excel. Ça push Matique. 1v3 combien de secondes? 20 secondes, t'as pas le temps de droner. T'as pas le temps de droner. Faut que je fasse des kills Excel. T'as pas le diffuse. Tu veux le gagner la round ou pas? Faut push Excel. Let's go. Allez, let's go. Tu peux plus t'arrêter. Voilà, let's go. Tu peux plus t'arrêter, dommage. Le but du jeu, c'est d'essayer de gagner le round, ok? À moins que tu décides de discuter avec tes teammates. Une fois de plus, ça, il va falloir vous le faire rentrer dans le crâne. 25 secondes de la fin, tu drones 0. D'accord? T'as 10 secondes où tu vas devoir planter et t'as 10 secondes par bonhomme à devoir jouer. Bam. Tu vas aller les chercher, là. Parce que là, quand bien même, t'aurais récupéré le diffuse que t'avais pas, visiblement, ou tu devais l'avoir peut-être. Mais tu récupérais le diffuse, tu plantais, tu jouais ton 1v1, etc. Je t'ai déjà expliqué, ok? 25 secondes en 1v3, tu vas un grand tout droit, là. Ok, tu essaies de trigger, droite, gauche, etc. D'un moment, t'as dit Castle, il est sur site. Il est pas sur site, il était sur l'armurerie. Prenez le temps aussi. Ah, j'ai dit ça, merci. Ouais, t'as dit, il est armurerie. Et j'aimerais que tu n'avais pas joué le caïd de la classroom avant que la problématique armurerie soit jouée, en fait. Ok? Ça fout la merde, en fait. D'accord? Donc, Sinaz se met au niveau du main, quelqu'un se met au niveau du balcon de la bedroom, et toi, tu vas aller jouer au niveau de l'armurerie. Parce qu'à chaque fois, vous avez des problématiques où, en fait, vous avez un Red War qui, au niveau du timing, vous dit « Il y a un mec armurerie !» Et pendant une minute, il se touche. Et toi, t'es en train de chercher, au final, un bandit. Enfin, on s'en fout, un bandit ou un caïd. En l'occurrence, là, c'était un bandit qui était sur le côté. Ok? Donc, va jouer l'armurerie, et après, l'ouverture du T1, tu le fais après, meeting. Ok? Meeting. Ok. Un peu sûr? Oui, ils ont meeting info, kitchen, alors, du coup. Quel est le meilleur moyen pour aller jouer l'armurerie pour toi? Tu parles à qui, Six? Excelsior. Ok. Moi, je vais jouer par la petite tour. Il y a du mute? Tu vas le jouer par la petite tour. Eh, un peu de concentration, là. Allez. Merde. La petite tour, c'est pour le Danny. L'armurerie, poulet. Ils ont déjà un Rooney. Qu'est-ce que t'as fait là sur l'armurerie tout à l'heure? Le garage, tout ça là. Ouais, ok. Enfin, garage flag. Et qui est-ce qui est au niveau de la fenêtre? Qui est-ce qui est au niveau de la fenêtre de l'armurerie? Si t'arrives pas à faire deux choses à la fois, arrête-toi de. On s'en fout du round en fait. Stop. Y'a un est-ce Rooney là, shopping. Drone, Sinaz. Au niveau de la fenêtre de l'armurerie? Oui.
Aroni, Aroni sous ping. On prend le meeting. Sous ping, Aroni. On a vu mon drone. On prend le meeting ou prendre. Oui. Hein. Pour prendre l'armurerie, quelle que soit l'armurerie, ouais. Pour prendre le top, on va au top, on va prendre l'armurerie. Bah, je vous pars en dessous pour. D'accord, qui était au niveau de la fenêtre de l'armurerie? Mort, Aroni. Nice, mon pis. Hein? Ouais, chez les défenseurs. Chez nous? Non. Qui est en rappel? Il y a Castle là-bas au fond. Au fond. Sinaz. Castle au fond. Il y a Sinaz ou moi. Je rentre. Bah, tu le sais normalement, c'est. Non, c'est pas toi. Non, c'est en dessous, tu viens de me dire. Oui, je suis en dessous, ouais. Ah, t'arrêtes, non. Du coup, c'est. Je mets une clé mort dans notre bac. En général, c'est Sinaz qui, avec... enfin, qui va du coup armurerie. Après. Open en là encore. Sinaz, il est en bas dans le main. Il est en train de couvrir la rota, je crois. Il a sa tête que dépassée. On a Red War et. Red War, ok. Et Nito. Red War, ouais. Oui, Red War qui prend l'armurerie. Toi, tu vas le jouer par en dessous. Il faut que t'aies le plan en tête, hein. Ok, ouais. Ok. Drone du coup, après Sinaz, hein, je veux pas droner tout seul là aussi. Hein. Deux secondes. Mopiz. Oui. Ok. Mopiz et où? Écoutez bien ce que je vais vous dire dans deux secondes. On va revenir dessus, oui. C'est pas grave. Vas-y, faites votre 4v2. Le but du jeu, c'est d'apprendre, c'est pas de gagner le round. Non. J'ai pas d'infos sur. Allez, let's go. Kitchen. Pas dans le drone, les gars. Bah oui. Last. Faut péter la truc là. Il est kitchen derrière le même spot que tout à l'heure. Derrière le. Il y a plus beaucoup de vie, les flags. Plus beaucoup de flags. Il est flag gauche. Red War plante. Red War plante. Et en quoi? Et en quoi? Et faut aller faire le kill là. Faut pas rester sur le diffuser. Come on, on va le tuer, on va le chercher celui-là. C'est mal, fallait jouer frérot. On s'en fout. Ok. Bon mais. Nice. Ouais, aller le jouer, c'est si vous êtes, si vous savez pas quoi faire sur site et que vous êtes en train de planter comme tout à l'heure, quoi. Là, vous pouvez très bien vous mettre en disant bon bah on couvre les axes. Hein, T'as l'impression que t'es pareil, non? Non, il y en avait un qui était devant la bombe, qui était en train de body block la bombe, qui était à l'endroit du défaut en fait, qui se retrouvait à rien faire. Et on n'est pas en train de parler de la bombe plantée, on est en train de parler du truc le plus délicat, le plantage de la bombe, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Au moment du plantage de la bombe, si je ne sais pas quoi faire, coiffer l'objectif est rarement mauvais. Ok ? Donc on aurait pu avoir une possibilité d'avoir une personne qui couvre, comme on l'a demandé, couvre-moi ! Mais c'est dur de couvrir avec un éco-drone, un maestro, un C4 qui peut arriver au-dessus, une smoke, etc. Il y a beaucoup de gadgets qui peuvent arriver et qu'on ne connaît pas. Donc le meilleur des moyens, faire un tout droit. Parce que si le mec a des gadgets et qu'il veut les balancer par-dessus, alors j'ai peut-être la chance de le niquer au moment où il balance ses gadgets. Donc de trouver avec un smoke qui va être en train de balancer un gadget, un mec qui balance un C4, vous comprenez ou pas? Ouais, tu comprends Nito, bah tu vas répéter du coup. Parce que là, vous m'énervez, franchement, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous explique un truc et vous allez jamais apprendre hein, si vous êtes dans une logique où en fait on joue. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est la différence extrêmement importante entre ce qui vient de se passer là et ce qui s'est passé tout à l'heure? Mais tout à l'heure, il y avait un mec close à la bombe, comme t'as dit. Ouais. Et qui gênait le planteur en fait. Si le joueur push, il peut facilement tuer le planteur. Et là, tout à l'heure, ce qu'il fallait faire, c'est c'est rarement mal de coiffer l'objectif, comme t'as dit. Mais tout à l'heure, on aurait pu faire la manque, le round d'avant, on aurait pu. Oui, c'est surtout quand il va y avoir des manques d'informations, on est en 3v2, etc. Là, en revanche, il y avait un élément important, c'est que vous saviez que c'était un Jäger. Il a pas de gadget actif, un Jäger. T2, fais gaffe. Ok, ouais. Ma piste a droné. Bah oui, mais je l'ai pas vu. Il est sur ping là, exact. Il est à la fenêtre. Let's go, c'est pas grave. Il est mort. On en reparle après, c'est pas grave. Let's go, je voulais jouer. Ok, GG. Il en repose un. Ok. Il a fermé T2. Non, il a fake, il a pas fermé T2. Oh, personne passe réel. Mon pise. Par contre, il y a pas de trou ici. Oh, ma cam flag, s'il te plaît, frérot. Ok. Il n'y a personne au niveau de Sheiko, il a encore T2. On se le fait, on push. Ok, voilà. Ah, mais du coup, on peut la clôture. Juste pour faire.
J'ai pas réagi chez Echo par contre. Ah mais t'es déjà meeting Mito. Ouais je suis meeting, j'ai drôlé déjà frérot. Mais du coup on a plus le tatcher pour jouer la trappe. Et c'est là où je sais plus comment le faire. La renfo, qu'est-ce qu'ils sont en train de renfo là? Mito, j'ai la cam flag. Il est encore T2. On peut pas ouvrir la trappe même. Mais ça me sert plus à rien maintenant. Je pense que je vais aller jouer une lambrie moi hein, les gars. C'est ouais, il est bloqué. Ça sert à rien, Excelsior. Non, personne ne joue Landry. C'est soft. Je vais prendre le site. Il m'en reste un si tu veux l'ouvrir. Ouvre le soft, ouais. Ouvre en face. Le T2 est renfo. Il y a le smoke allongé, la contact wall. Non, il est plus. Il est bloqué le smoke, hein, les gars. Il est bloqué. Il push allongé. Allongé sur ping. Ah, Red. Nice, let's go. À ta gauche, fais gaffe à l'autre là. Nice. Ah, bah c'est toi, il y en a autoroute. Je vais push Landry en parallèle. Non, pas Landry. Non, pas Landry. Je veux pas te voir Landry. Bah, je push. Qu'on s'appelle la fridge. J'en ai eu un pilar. Mort, ouais, bien joué. Ok, je push pilar. Je pose. Vas-y, vas-y. Je pose défaut. Prends l'autoroute, je prends l'autoroute. Bah, oui, ça me push, du coup. Ça me push et t'es. Ouais, okay. Ah, pardon. My bad. J'ai été trop lent sur. Ah ouais, quand il faut. Quand on plante ou quoi que ce soit, il faut au moins. Oui. Une cover sur le BP. Oui, sinon, ouais. Non, la meilleure des covers, vous l'avez déjà connue, on l'a déjà fait la dernière fois, c'est la personne qui se met au niveau du pilar. Et la personne qui se met au niveau du pilar, faut qu'elle tire dans le mur solo, qui est à sa gauche. Ok. D'accord. Okay. À chaque fois. Parce qu'elle aura une grande ligne de tout ce qui pourra être emmerdant derrière le bomb site au niveau du T2 et au niveau du trou de rota vers la Landry. Vous voyez ou pas? Oui. Ok, ouais. Bon ça c'est bon. Derrière, okay. Je veux pas de push backstab encore, ok? D'abord, on fait les choses backstab. Proprement. Backstab, c'est en anglais, ça veut dire coup de couteau dans le dos. Donc c'est là, c'est en anglais, dans les jeux vidéo, on dit un backstab, c'est le fait de d'attaquer par un endroit là où il y a moins de personnes, quoi. Donc par derrière. Donc ça veut dire si 4 personnes attaquent d'un côté, celui qui backstab, c'est celui qui est tout seul de l'autre, quoi. Ça vient, ah, okay. Ça vient des MMORPG où tu fais des petits coups de couteau dans le dos. Ah, il m'a pris mon drone. Ok. Ouais, il y a un maudit, il m'a pris mon drone. Ok, justement. Écoutez bien, stop, pas de drone. Ouais. Je m'en fiche. Ok. Une personne qui va être au niveau de la tour rouge, une fois qu'il a fait ou une fois qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, à savoir prendre le grenier, s'assurer dans la tour rouge, doit impérativement ouvrir la fenêtre parabole. Est-ce que les deux personnes qui sont dans la tour rouge voient? Là, oui, là, ici, là. Pourquoi? Pour couper la rotation du mec. Putain, qui est, merci. Ah, pour couper la rotation du mec qui sera armuré et qui normalement est joué par 3 personnes, vu par Excelsior qu'il joue par en dessous avec Red War à la fenêtre. Let's go. Allez, Nito. Ah, Spunky main. Ah, j'ai pas arrêté la fenêtre parabole. Mais on l'ouvre pas, on l'ouvre pas. De quoi? C'est dès qu'on est dans le tour, je crois. C'est bon, vas-y. Il avait pas compris. C'est Jäger Zulu, tu sens. Mopis, sur la fenêtre sur laquelle t'es, une fois qu'il y a personne dans ton bon site là, tu pètes la fenêtre en face de toi, tu prends une ligne parabole. Hein. Exactement en face là, tu vois la ligne là? Ouais. Casse les fenêtres, fenêtres. Genre. Le but du jeu, c'est que la personne qui soit dans l'armerie, si elle se barre, elle flippe sa race. Z, tu vois personne. Il y a une clé dans le bac, Mopis, si t'en as une, Je peux pas droner. Armurie, y'a un La trappe à Chief Meeting, elle est ouverte. Ah, il peut même pas clément. Il doit faire ça même si rien. Vas-y. Ça fait 2 minutes. Au bout d'une minute, s'il y avait une personne dans l'armurie, il doit tomber. Vous prenez trop de temps. Let's go. Armurie, y'a quelqu'un, Il est mort, armurie, Ok, Nito. Y'a une cam derrière la Rooney. Nito, tu l'as tué d'où le mec armurie? Y'a personne. Tu l'as tué parabole. Ouais, voilà. Merci Fracture pour le fait d'avoir offert la possibilité à Finzi de droit de scolarité. Vous êtes des monstres. Un mec armurie ne peut pas se barrer en fait si vous faites ça. Les personnes qui poussent au niveau de la tour rouge vont ouvrir à peu près la ligne pour aller s'ouvrir la parabole. Ok, mon drone est décassé, je sais pas comment. Je vais drone Excel. Vas-y. Ouvrir le terrain, il va y avoir un problème. Du coup, Excelsior, tu vas devoir m'aider. Mais il te reste une charge. Mais justement, j'avais besoin de la charge, mais j'ai pas réussi. Et à droite dans le coin là, tu peux pas? Là, ici? Oui.
Attends, je Mais la mets pas trop près, tu vas la cramer. Voilà. Bah justement, je l'ai mis, stop, j'ai mis trop loin. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas une science exacte. Hein. Oui, oui. Ah, il y en a un carré. Donc je l'attente, mais. Pour l'apprentissage. Il y a un mec au niveau du. Ouais, ouais, t'as raison, bien vu. Mais ok, voilà. Bon. Il y a un mec contact à gauche là, Redward. Ah, la Rooney là, voilà. Contact à gauche. C'est le Echo. Dernière info. Il peut pas être contact puisque la Rooney était pas ouverte. Ah si, oui. Contact à gauche. Ok, bien joué. Secondes, 2v4. J'arrive avec ça, j'arrive push avec toi. On push. J'arrive. Je suis là. Est-ce que vous avez ouvert? Revenge. Non. Et derrière, il est surposé. À gauche, contact à gauche. Dommage, ça c'était bien joué. Là, il y a pas de, on se prend la tête pendant. Ouais, regarde ça, regarde. Là, c'est parfait. Non, vraiment, c'est pas ironique. Ok, c'était la meilleure façon. T'as ouvert ta ligne à gauche parce que c'était la personne qui était à gauche qui a tiré sur ton pote et c'était bien joué. Ok, après ils sont trois, tu peux rien faire. Mais il y avait une logique de revenge qui était bonne. Ça a pris un peu trop de temps. Et c'est pas grave, c'était un très beau round. Pourquoi? Vous avez exactement vu comment est-ce qu'on nique tout le temps la gueule d'un mec armerie si on fait bien les choses. Il y en avait un qui le jouait par en dessous et qui le fait danser la Macarena. Une personne qui prend pas de ligne directe au niveau de la fenêtre et qui drone en faisant attention que le mec ne saute pas sur sa gueule. Une personne au niveau de la parabole qui attaque la tour rouge. Et une personne au niveau du balcon qui prend une ligne vers l'armurerie. Et là, on commence à discuter. Parce que le mec dans l'armurerie, il a 4 personnes sur lui. Et ça, c'est le carré qu'on va chercher. L'armurerie. Alors bien évidemment, on aura déjà pris le carré qui est en dessous, le garage. On aura pris le carré qui sera à peu près le main, qui est à peu près à nous quand même. Voilà. Mais cette carré-là, c'est notre premier carré d'insertion. Et après, on commence à discuter. Ok. Be coach. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de se faire daronnette là? Comment ce radio là? Red War me doit toujours. Ouais, c'était quoi déjà? Il doit mettre 1€. J'ai eu peur. C'était quoi la semaine dernière déjà? Du coup, en attaque, je sais pas comment poser Six la charge pour que ça pète. Ouais. Alors après, peut-être que. Chaque gadget en pas posé. Oui, ça je me souviens. Aussi, hein. Mais c'était combien qu'il fait? Jaeger, c'est possible. C'est pas 1€. C'est pas que ça. 1€, je crois. Là, sur que j'ai besoin du son, les gars. 3. Non, moi. 2. Un peu. Mais. Tour rouge, t'as attaqué tour rouge. Red War, tu dois 1€. Non, le round n'est pas terminé, je vois pas. Non. L'armurerie a monté. Quelqu'un qui est monté armurerie. Y'en a armurerie. Ouais, voilà, mais là, bien, ouais. Je vois pas ce que tu veux dire, le round n'est pas terminé. Merci Quentin pour les 5€, t'es un monstre. 10€ au total, vous êtes des monstres, les amis. Merci Facture Finzi aussi, nouvel étudiant. Kids. Et tous les nouveaux étudiants, n'oubliez pas le charme de la Salty Academy pour l'information de charme. Vous êtes des monstres. Oula, et qu'est-ce qui se fait de daronnette là? Qu'est-ce qui se fait de daronnette? C'est Sinan? Ça ouvre Attic. Aïe. Il peut casser l'escablon. Ah les gars, il y a un Twitch par contre sérieux là. Du coup, il a cassé le Jaeger, on est un peu dans la merde au niveau de Attic. Sinas bouge, t'as été ping. Sinas bouge. Je vais essayer de faire un back au niveau de la Attic. Drone touche cassé. Moi, je sais pas où aller du coup. Grenade. Bouge, prends la cover, je vais fermer. J'ai fermé T1. Ah, pas chaud, t'es marron. Sur ping. Au niveau de Attic, il est sur ping. Bien fait, Nito. C'est smoke, hein. Il est à bord du cochon, Baptiste. Il y en a deux qui push Attic. Ça push encore. C'est bien le laser, non, ça sert à rien. Il a pété la cover. Nique toi. Non, profil.
J'ai la cam, tu l'as la cam Nito. Ok. Ça profite, push, profite. Profite, profite. Profite sur ping. Dans le col à droite là, il avance un peu. C'est bien, il est pour toi. Ouais. Profite toujours. Profite toujours, il est exactement sur ping 1. J'ai eu Yana. Encore sur ping, encore deux trophies. Remets le Haruni, Sinaz. Nice. Il pousse, il pousse. Il est mort. Il y a encore. J'ai la porte. Je suis spotted. Non, j'ai pris une tête aussi, trophy. Mais contact à gauche, la porte trophy. Il y en a encore un, trophy. Trophy toujours. Encore. Il a pris il le truc. Il est trophy, trophy, mon pisse. Il push. Nice, mon pisse. Il est à terre. Pas d'info sur le last. Il est là encore à droite. C'est bon, bien joué. Oh, il faut serrer les fesses, hein. Ouais. Ok, bien joué Mopiz. Pourquoi est-ce que... Comment les attaquants auraient pu jouer là? Différemment. Ok, merci. Merci Captain Obvious. Ils auraient pu jouer comment là? Parlons de Whitey. Non, ils sont en situation de 1v2. Qu'est-ce qu'il y a... Mopiz a gagné son clutch. Oui ou non? La revenge. Ok, mais qui... Mopiz a gagné son clutch. Oui. Ok, le clutch c'est 50% de quoi et 50% de quoi? De skill et d'information. Non, le clutch c'est 50% de t'as bien joué et 50% de ils ont mal joué. Et encore le pourcentage est pas, ça peut être 60-40 quoi. Et là en l'occurrence, c'est plutôt 60% ils ont mal joué, 40% tu as bien joué par rapport aux éléments qui t'étaient donnés, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un V1 en fait à chaque fois. Ils étaient donnés quoi. Ah voilà. Trois écartés. Les uns des autres. Ok. Il y en a, il m'a raté trois fois quand même. Vous regardez la VOD, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû faire? Faut faire la trappe, les amis. Mopis, tu peux aller faire la trappe vite fait, s'il te plaît. J'y vais tout de suite. J'y cours. Nano, stop là. Nano. 50 euros, Nano. Nano, stop. On est bon, hein. On est bon, je l'ai dit, hein. On est bon, je pense qu'on est bon, hein. J'ai pas... c'est demain soir qu'on fait la réunion, mais normalement je pense qu'on est bon niveau bootcamp. On est bon. Ça veut dire stop. En fait, je vais l'enlever le don, le truc. Bouclier, prêt de gagner. Merci, un qui pose, l'autre qui prend la cover. Merci Neiki. Bien des petits trous ici s'il vous plaît. Y'a quelqu'un qui vient de dire dans le chat, un qui pose, l'autre qui prend la cover. Aussi, ouais, ils ont pas pensé. Ah, Chico, ça a pas été fait, je vais me prendre une tête. Oh, j'ai eu de la chance. Let's go. J'ai fait la trappe. Okay. Ouais, j'ai fait la trappe. Où est-ce que vous voulez des Haruni, les gars? En 2v1 comme ça, il y a deux possibilités. Là, grosso... Pardon. En 2v1 comme ça, il y a deux possibilités, grosso modo. Il y en a deux. Quoi? La première, c'est soit il y en a un qui plante là-bas. Et l'autre qui cover ouais. En essayant d'avoir le meilleur des aim au monde, quoi. En laissant la possibilité au mec de se relever et de mettre une tête si son pote se fait tuer. Donc c'est un plante capacité de revenge en gros, donc c'est pas facile hein, parfois on s'adapte vite fait quoi. Ou alors, jouer le kill à deux. Revenge. Y aller tous les deux en disant, si on a... La seule différence, ça va jouer sur le fait de savoir où est le mec, qui est le mec et comment on doit le jouer quoi. Là j'aurais plutôt joué le côté de un qui plante et l'autre qui couvre. Mais autrement... On y va tous les deux. Revenge, on l'a dit tout à l'heure. Il a bougé, je crois. Un qui pousse la porte et l'autre rota. Non, les deux poussent la rota. C'est dur hein, de faire une revenge. Hein. C'est dur de... Justement, le fait de split, c'est le moins bon des trucs. C'est dur de mettre deux têtes instant, quoi. Riche toujours. J'ai personne dans le bleu, moi. Et... Si. T'as drop à une trappe. Merci Quentin en tout cas pour les 15 euros et Nano pour les 50 euros. Envoyez plein de GG et des cœurs s'il vous plaît dans le chat. Ça va rentrer Landry. Ça permettra à tous les joueurs que vous voyez en dessous de l'écran d'être envoyé en bootcamp et ça va être bien. J'ai entendu Laibana. Vraiment. Les XROs Laibana. Mais là il a juste pas fini la plante alors qu'il était large. On est d'accord. J'ai l'impression qu'il a, tu sais qu'il a juste give up son truc. Y'en a top. Son pote a coiffé l'objectif en fait. Moi je me disais son pote quoi, bon c'est pas génial, mais bon ça se fait, mais en 1v2 c'est un peu compliqué quand même.
Oui, il y a une drone. Mais je me disais, au moins, ça va laisser la possibilité à lui de planter sa bombe et de jouer son 1v1. C'est pas si con, c'est la troisième possibilité. Derrière les lockers. Mais en l'occurrence, bah, il a pas planté. Yo, Captain Sparrow, comment ça va, poulet? Excusez-moi du retard, que j'ai manqué plein de trucs. Ça drop Elec, non? Il y en a dans le fridge. Ça drop encore, trap. T'es rentré, Landry, il est mort. Bien joué. J'ai fait tuer, ouais. Nice. Bien joué, les gars. Bien joué. C'est propre, ça. Ah bah j'apprécie défendre les friches comme ça. meeting. J'ai pas compris comment. Meeting et Merci Anis pour les 17 mois, 3 ans. What? Je sais pas si sur YouTube, ah ouais. J'ai joué la chicken. Merci les poulets. Okay, et encore merci énormément Nano, c'est monstrueux. J'ai joué SQ. Et c'est pas la première fois depuis voilà quoi. Okay. Avec tout ce que t'as donné la semaine dernière. Allez, allez, go. Non, ouais, à la base, on s'était dit, on se fait un petit, une petite cagnotte. Let's go. On est bien. Que les personnes donnent un euro. C'est parti. 1000 personnes donnent un euro, pas l'inverse. Hein. Peut-être dû prendre les yeux en un mois là. C'est bon, merci Anis. Non, Rick, c'est bien. Ouais, Rick, c'est bien, mais. Avec les gus, j'aurais pu avoir les infos, c'est bon. Ouais, mais au moins, si t'as trop de pression, tu peux te barrer assez rapidement. Et puis. Mais lui, tu fais la renta, hein, Rapidos? Ouais, sur la CQ. Ouais. De toute façon, je vais jouer dedans. Pour voir avec eux, Sanzo. Et tu veux où la renta? Je peux rien faire, moi, j'ai déjà expliqué. La renta sur le BP? C'est eux le prestataire de service. Ah oui, il faudrait. Hein. Je peux intervenir d'aucune manière. Un petit café après la game là. Aucune manière. On a les rotas, c'est bien de le dire. Les piqueurs de rappel, ça peut être mal. Oh ouais. Ouais, un petit Allez. Café après. Oh, ferme-la. Mais non, mais... Oh, c'est vraiment un bouffon, Mopiz, allez, concentre-toi sur la game, là. Arrête de faire le gamin, grandis un peu, voilà. Voilà, chat. Oh non, chat. Tu verras du ouf. Aïe Mopi, oh non j'ai pas les bibis. Oh le pseudo, aïe. Mopiz, arrête d'écrire, concentre-toi. Et joue. Je joue. Ouais. Faut faire les rotas, Excel. Ah, la rota elle est faite. Mais moi j'ai fait, j'en ai fait deux. C'est les 20 qui décident, ça c'est pareil, c'est pas moi qui fais. T'as les deux autres s'il te plaît là. Mais Mopiz, tu. C'est la prod de la sortie qui. Mais non, mais. Faut faire des deux côtés, faut faire des deux côtés. Merci, go. À un moment donné, Mopiz, il faut les demander sérieusement si tu veux tes rotas. En mode, je voulais pas être méchant. S'il te plaît, machin de ci de là, tu dis, tu prends, il fait. Point. J'ai un deuxième caïd qui, si quelqu'un en a besoin. Je vois le graphique quand t'as 1.5 disponible, c'est bon. Bah, oui, ça se fait. J'ai pas d'infocam à part ce qui est en extérieur. À point 5, holo. 2.0, ça se fait. Même les autres, hein, même les trucs moins conventionnels, maintenant ça se voit aussi, t'en vois partout. Bon Twitch. Mort. Ah, je me suis dit, ouais, bien joué lui. Donc, là, la trappe à l'ouvert, il y a plus personne qui, quoi, ça. Qui, quoi, où? Je sais pas, je crois que c'était Jacqueline. Moi, avec le QCP, s'il te plaît. Non, la cam dining, du coup. Ah non, tu l'as pas tué, excuse-moi. Il était où? Il était au niveau du T1 quand on est au top. Merci. Donc, okay. Dressing. Ça pue là. Ils ont bien joué. Parce qu'ils mettraient en Oregon, y aura-t-il les mêmes séries sur les autres cartes? Oui, bien sûr. Le but que ce soit Oregon, c'est parce que c'est les héros d'Oregon. Mais c'est juste qu'il y a tellement de choses à voir déjà avant sur une seule map avant de passer à d'autres. Oui, il y a trappe au-dessus. Kids, trappe kids. On va je vais pas compliquer les choses. C'est un jeu par au-dessus. 90. Oh. Gaffonade. Je suis tombé. Grand Twitch avec Chen. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'étais en infériorité numérique en 1v5? Je peux pas 13 là, Excel. L'agressivité, foutu pour foutu, faut faire un truc. Ah, mais ils sont au top, y'en a.
On a toujours du mal à... Dommage, dommage, ça servait à rien de switcher sur l'arme, mais c'était bien joué. Au moins t'étais parti dans une logique de les prendre dans les fesses. Ok, foutu pour foutu, vous vous barrez, ok. Si vous venez de perdre deux personnes, vous êtes low, y en a un, vous êtes en 2v5, personne visiblement n'a mis des balles sur personne, ils n'ont pas pris de dégâts, dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous dites foutu pour foutu, on tente un truc de toute façon, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Là c'est le moment où vous dites, je me fais plaisir quoi. De la même sorte, c'est un peu l'effet inverse de tout à l'heure, vous étiez en 5v1, et bon, il y en avait un qui était en train de faire chier sur le bomb site et qui va se mettre en mode coiffage d'objectif, donc il se fait plaisir en fait, il va aller chercher le kill quoi. Là c'est la même chose, bon c'est fini. Donc Mopiz a bien réagi, les autres sur site, balancer du C4, et là faut vous transformer en John Wick, hein. Faut aller mettre un kill à droite, hop là, repartir à gauche, vous voyez un drone, hop là, repartir à droite, voilà ce qu'il faut faire. Let's go. Ok. Bon, allez. Au moins après, ils vont mettre que des 4-0 sur Rugon. 6-0 du coup. Yo tout le monde. Faites gaffe au Twitch, c'est pour ça. Ouais, faites gaffe au Twitch. Hein. Les monstres. Dites-le si vous allez sur les cams, il faudra quand même quelqu'un qui soit pas, histoire quand même qu'on puisse, au cas où, checker les. La cam. Je vais mettre là. Ah, je me suis pas préparé. Merde. Merci Quentin. Oui. Tu m'étonnes. Merci poulet. Bravo Redmond. T'as mis tes barbelés, c'est ça? T'as mis tes barbelés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a mis sa cam. Et il avait raison. Tu vas prendre une pas toujours les mêmes frosts au même endroit, Mopiz. Sois un peu le facteur X, quoi. Change un peu, tu vois. Et pas toujours frost, tu vois. Prends alibi parfois, change. Vous êtes ça ouvre le terrain? Ok. Non. C'était pas ça l'idée, Mopiz. Mets-les au même endroit, surtout s'ils ont pas été vus tout à l'heure. Ça, c'est pas un problème. Twitch et Trophy. C'est juste pour changer d'opérateur de temps en temps. Frost n'est pas... Tu vois ce que je veux dire, Mopiz, ou pas? Ouais, c'est pas... Bah, c'est un facteur X, donc amuse-toi à prendre alibi parfois, ou voilà, quoi. C'est pas comme si on avait besoin des trappes de Frost. Big Window. Big Window, Big Window. Oh. J'ai l'impression que ça sait que je suis là. Hein. Ça ouvre le. Ça ouvre T2. Ça ouvre Tic. Waouh, hey, ils savent tous ce que je suis. Il y en a un là, carré. Presque carré. Il est passé trop vite, je crois. Il y en a un à terre là. Là n'est pas un call là. La cam red. J'ai diffus. Big Window toujours. Il me voit de là où il est. Mais... La cam, hein, où est le ouais, diffus, Mopiz? XT. Le diffus est sur ping Laundry. Il est nice. Rentré, il est derrière la caisse. Non, c'est Dress ça. Attends. Laundry, c'est toujours derrière ouais, Big Window. C'est Dressing, Mopiz. Il est derrière la caisse bleue Epic. Ils sont deux à Tic. Derrière la caisse bleue, toujours raid, attends. Big Window, ça m'embête toujours. Attends, t'auras le son de Mamie Lusie, frérot, comme dès que ça passe. Hein. Il a compris. Non, il y en a. Ils ont back. Big Window, ça met son réplicateur. Ils ont back, ils ont redescendu les escaliers, Red. Ok. Garde la cam. Yes. Gage, j'ai gardé le diffus. Mon rappel, je sais plus quoi. Il y a un zéro là, pas très loin. Quelqu'un peut essayer de réactiver ou pas le. Trophy, je crois. Ouais, Trophy, ouais. Dans le white. Ça récupère le diffus. Est-ce quoi? Zéro, il est rentré. Il est salle de jeu. 2 secondes. 2v1, 10 secondes. Zéro mort, hein. Je sais pas s'il a tombé. Ok. Voilà, ouais. Nickel. Oh.
Attention, Sinaz, première problématique, tu dis white, mais une fois de plus, c'est une information capitale. On est à 30 secondes de la fin. Envoie un peu plus de... Tu vois ce que je veux dire ? Je l'ai même pas entendu, le white. Bah, il est là, je sais, c'est pour ça que je lui dis ça. Entendu, mais c'était zéro, et après zéro, il s'est retrouvé dans le dressing. Ouais, mais... Et tu oui, l'as mais... dit sur le même ton. Et c'est... Il est là, le souci, poulet. J'ai pas compris. Tu dis le plus fort, genre tu dis laundry ou white. Ouais, mais c'est, pas, c'est mieux. Mopiz, on va venir à toi juste après, t'inquiète. Donc t'enflamme pas. Mopiz, Sinaz, tes calls sont bons. Mais le problème, c'est l'aspect monocorde. C'est le fait de toujours dire les choses avec la même intensité. Si tu penses que si tu y arrives, et les autres, bah, habituez-vous aussi à Sinaz. Hein, c'est pas juste, ça va pas juste dans un sens. Oui. Mais si tu penses qu'un un call est capital, n'hésite pas à augmenter un peu le volume, quoi. Là, t'avais Mopiz qui était au top de l'escape blanc et qui ne regardait pas l'escape blanc. Sa position était certes pas bonne. Néanmoins, si t'avais fait un call du genre zéro white, 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 push white, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pareil, tu vois ? Je vais faire trap, je vais faire trap. Ok, faut essayer de travailler là-dessus. Les autres, montez le volume de Sinaz peut-être aussi sur Discord. Et Mopiz, s'il te plaît, arrête avec ta pollution sonore, d'accord ? Quelque chose, je sais pas, salut, comment il s'appelle ? Wouh, je le défonce. On s'en fout tout ça. D'accord ? Prends ton temps pour faire les choses proprement, ok ? Les traps sont faites. Il était où ? Il était pas T1, enfin il était T1 en l'occurrence, mais il était pas laundry, quoi, ok ? Gel diffuse, closette. Laisse le temps à ton cerveau parfois, tu vois ce que je veux dire ? De voilà, laisse deux secondes à ton cerveau, quoi. De réfléchir, ouais. Les traps sont pas faites. Tourne la langue dans ta bouche, puis c'est ce qu'on dit. Je sais pas, Nito il m'a dit qu'il était parti la faire, du coup, bah, je l'ai laissé faire. Ah non, les quoi ? Putain. Les traps. On est d'accord, Nito, je t'ai dit je vais faire la trappe, tu m'as dit non, je vais la faire. Et oui. Moi, mais non, parce que t'étais en train de taper dans le mur, je t'ai dit t'inquiète, mon pied, ça je m'en occupe. Mais j'ai un pompe, frérot. Ok. Je fais la trappe, c'est pas grave. Vas-y, mon pied, si tu peux la faire, fais-la. Elle est importante, au moins celle-là. Allez, fais. Bon Twitch. Heureux. Je l'ai cassé. Il en a raté un deuxième. J'ai fait la trappe de chez moi. J'ai peur. Non. On va rentrer laundry. Fais gaffe. Je renfaux Sheko parce qu'il a pas été fait. Et du coup, ça. Info. SK. Mais prends la cam, prends la cam dans bleu, Red. Oui, j'ai. Je joue très très mal. Je joue très très mal. Tina, j'ai rien entendu les autres non plus. Laundry, ça va rentrer. Ah ouais, bien ça. Ok. On est d'accord, vous l'aviez pas entendu ? J'ai cassé les deux drones Twitch, non. Je l'avais pas entendu. D'accord. J'ai cassé les deux drones Twitch. J'ai plus la cam au niveau du blue. Tinka, Laundry. J'ai la cam au niveau du blue. Nice call, Sinaz. J'ai eu Laundry. Nice. Ça peut d'autre part. Ou ça m'a touché quelque. Je sais pas. Ok. Où, Sinaz ? Je suis perdu de la vie, je sais pas. Où est-ce que ça ouvre ? Ça ouvre la trappe, Elec. Ça ouvre la trappe, Elec. Garde-moi la cam bleue, Red. Hein. J'ai la cam blue, hein. Ça drop ? Je change. J'ai entendu que ça drop. Au niveau du blue, au niveau du dehors, XT, il est derrière les deux barils. Deux barils. Ah, j'ai pas ces balles ensemble devant. C'est laundry, c'est laundry. Il push. Alors il casse le. Tu me bloques le sens. Il a la porte. Sur Sinaz. Sur ping. Ok, c'est Fridge, c'est Fridge. Il back. Lance pas tout. Toujours Fridge. Twitch, Fridge. Et genre il prend pas sa tête lui. Non, derrière le mur en faux. Fridge derrière le mur en faux, il casse le barbelé. Il me push. Ah bah ça va push le laundry, c'est laundry sur site. Dommage. Oh Pardon, m'a entendu, excusez-moi, désolé. Oh là là. J'ai même pas entendu. t'inquiète. Il l'a dit, ouais. Il a rien dit. Ok. On s'est fait avoir lui parce qu'on est sorti de la game. Mopiz, tu vas faire la trappe. Et du coup, Nito, tu feras les rotas avec ton pote. Oui. Allez, mettez-vous bien d'accord, du coup. Non, c'est en fait... non, mais c'est parce qu'il y a eu un mauvais. C'est ça, c'est pas grave. Allez, on corrige ça. Rapido, merci, Lebowski, is du coup, Duke. Moi, merci, le nouvel étudiant du campus de la Salty Academy. On la met, celle-là. Merci, poulet. Ça serait bien, oui.
Ça serait génial. Soyez précis dans vos calls. C'est bien, Mopis, tu l'as bien été sur le ce round. I've never been a fan. On essaye de faire pareil là. Allez. On tilte pas aussi surtout s'il vous plaît. Ouais. Ça me ferait plaisir. Duke is the Duke. Ça sert à rien de the dude. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Edward? Ils sont nouveaux sur le jeu. Non. Allez go. Ils viennent de commencer il y a 2 semaines. C'est dans un joueur pro sur. Mopis, l'attrape s'il te plaît, on perd pas de temps. Sur go. Code, hein. Donc t'imagines bien à quel point ils connaissent rien du tout au FPS. Hein. L'attrape aussi, c'est... ça serait cool dans le main. Oh, je peux louper ça. Il y avait un drone dans le blue. Mopis, un peu de concentration s'il te plaît, c'est possible ou quoi? Oui, pourquoi? Ouais, non, parce que tu fais un peu le pitre. Alright. Allez. Ouais, mais pas à droite. Mais j'ai pas parlé. Oui, mais oui, mais je t'ai vu tirer 650 000 balles dans un drone qui était déjà parti depuis 2 ans. Allez, let's go, concentré. Eh les gars, c'est possible de faire le Sheiko ou pas? Enfin, que je l'attrape. Faire le Sheiko, qu'est-ce que tu entends par faire le Sheiko? Les meilleurs Sheiko, les meilleurs Sheiko. Notre top main, elle est pas faite. Tu l'as pas écouté. Non, y'a pas, la... pas la cam en bleu. Je comme au drone Twitch, j'ai entendu un drone Twitch. Il est mort. Dangereux. Mais c'est passé. J'ai joué. Il est contact à la porte. Contact à la porte mon bleu. Drone Twitch dans le fridge. T'as cassé un truc avec un... Ah voilà. J'ai cassé le mode dernier Twitch. Nickel, bien joué. Moi je bouge, je le renvoie. Ah la aide. J'ai le GP dans la porte toujours hein. Bien joué Nito. Ça l'attrape? Ouais, elle attrape main. Ah ok. Ok, porte... Port, porte laundry, porte laundry. Vous avez l'info sur les 3 ou sur 2? Un sur. J'ai des balles. Un sur. Ah c'est balle de match, j'avais pas vu. Ça ouvre fridge. La trappe fridge, ouais. Là c'est le temps les gars. Là c'est le temps, on a le diffuse. On prend pas de pique bêtement. Et on le gagne. Y'a un drone, y'en a qui vient de partir. C'est pour casser le Haruni. Ok. Ça m'a fait trop. C'est un fridge, ça a nade. Pardon. C'est mort dans le bleu. Mort dans le bleu. Bridge encore. Allez. 5v2. Je pense qu'il est parti dans le fridge, je sais pas si tu l'as tué. Mopis. Il y avait 2. Je dois en avoir un au niveau de l'esca. Il drone. Il sait que je suis là au niveau de. Il est dressé. Oh! Il contacte. Pain toujours. Nice red. Il est où l'autre? Ah, je l'ai pas eu, il est dans escalonnerie. Je suis mort. GG boys. Goodalf. Oh putain. Nice. Je lui en ai fait perdre du temps. Bah ouais, c'est ce qu'il fallait faire. C'était bien là, vous étiez concentrés les gars, ça se ressentait un peu tout de suite là. Vous oui, c'est bien là. Pas de pollution, ouais. C'était un tout petit peu mieux. Non, c'était bien mieux sur la fin là. C'était bien mieux sur la fin. Vraiment. Ok, let's go. Revenge, on enchaîne. Ok, pas de pause pipi, rien. Okay, non. Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a là? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va bien. Oui, je suis allé bien. On va régler un petit souci avec l'autre équipe avant de relancer. Ah.
Un invité mystère. Redouard. Oui. Ok, vas-y, vas-y, règle le truc et on t'attend, poulet. Qu'est-ce qu'il y a, Mopiz? Ok. En deux minutes, du merci. Coup. Oui, oui, deux minutes. Mopiz, dis ce que tu voulais dire, c'est pas un souci. Ou bien, t'as écouté un conseil et t'as tourné cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ce qui serait peut-être pas con. Mopiz, du coup. Attends, je vais tourner ma langue. Ouais, bah, fais tourner le cerveau aussi, ça peut aider. Ouais, ouais, pas trop, tu risques de pas trop l'oxygéner là. Bon, du coup, tu craches le morceau ou quoi? Bah, je les ai perdus en faisant tourner les mots. Enfin. Ok, ok, d'accord, ok, ok. Et t'es vraiment un bouffon, Mopiz. Ouais, c'est. T'es vraiment un bouffon. Ouais, des petites claques derrière ta nuque là. Merci pour les 1€, Quentin. N'oubliez pas d'être là la semaine prochaine si vous aimez les héros d'Oregon. Elle était bonne la banane, Snaz. Ouais. Super. Clubhouse? Non. Quoique. Est-ce qu'on irait pas sur une autre map? Voir ce que ça donne. Et on les laisse dans la merde totalement. Pas trop dur non plus. Tu dis non, Sinas. Tu m'arrêtes pas le stream? Non. Aigle. Je pense que Sinas pue la merde. C'est obligatoire, hein, mais bon. Heureusement que je suis muté et qu'il ne m'entend pas, mais je pense que c'est un gros bouffon. Merci Six. Ouais. Il a dit quoi? Bah regardez le stream. Ouais, c'est en cours, là, mais je crois que j'ai. Alors, celui-là n'est plus dans les officiels. Mais attends, mais elle y est plus non plus, Coastline. J'avais totalement oublié. Ah, du coup, j'ai l'impression qu'on va pas jouer sur Oregon, c'est ça? Ouais. Non, la mieux, ce serait Café. Je pense qu'elle va rester en Pro League encore longtemps. Ok. Ouais, je pense qu'on va partir se prendre un petit café. Non, là. Café en vrai, c'est bien. Café, c'est bien. Ah, bah, on va voir ça. Non, ça va être terrible, hein, je te le dis. Essayez de mettre les trucs les plus logiques. Ah, ouais, ça va être terrible. Je déteste Café. Ah, c'est pas que je la déteste, c'est que du coup, vu que ça fait à peu près 3 mois que j'ai l'impression que je ne joue qu'en fait que sur Oregon. Ok. On est sur Café, Edouard. Non, 2 secondes. On va essayer de prendre... Là, on n'a qu'à se dire qu'il y a un match extrêmement important. Tout en dépend. On vous met sur une map que vous n'avez jamais vue. C'est très compliqué. Vous venez tomber sur une map que vous n'avez jamais joué et jamais prac, ok? Très bien. Et là, il y a 10 000€ à gagner par personne si vous gagnez. Donc, essayez de vous dire... putain, faut vraiment qu'on la gagne. Donc, sérieux, please. Donc, ceci étant... Du coup, sur Café, on est en défense. Ok? Quel est le bon site qu'on va prendre en premier? Bar. Le top. Ok, très bien. Quel est à peu près... Où est-ce que j'ai envie de mettre des murs renforcés? Ça va nous en dire pas mal déjà sur comment dans, on va défendre. Dans les toilettes, le piano... Alors les toilettes, c'est le truc le plus complexe en fait, au top. Parce que c'est le truc sur lequel on s'accordera pas forcément. C'est, okay, bah, ça dépend de comment on le joue. Le piano. Le piano, ouais. Les deux murs renforcés du piano. Et les deux murs derrière le bar là, avec le mur soft. Ah, c'est le piano ça? Mais c'est le piano. Oui, mais je te parle du terrain moi, en dessous la trappe, top rouge. Les deux murs top rouge. Ce petit, là il y a un mini bar là. Vous voyez le mini bar à cet endroit là? Pour le casser. Le call c'est simple, c'est mini bar. D'accord? Ce call là c'est mini bar. Dans le piano vous avez mini bar, piano, coin P. Le coin P c'est le carré qui est de l'autre côté dans le prolongement du couloir blanc. Vous êtes bon? Ah, pixel, ok là. Ok, on est bon ou pas? Oui. Très bien. Toilette, fridge, ok? La plante défaut se situe en dessous de Sheiko, qui est en dessous de la nouvelle trappe de l'autre côté. Vous voyez? Cigare, on est d'accord? Et en dessous de la nouvelle trappe, ça s'appelle Danone. En tout cas, ce sera notre call, nous. Ok. Danone. Ok. Danone, ça fonctionne ou pas? Danone. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Il y a une nana qui ressemble à la laitière dedans. Sur l'un des tableaux. Après, sur le bar, bon, bah, c'est le bar. On verra après, tous les éléments du bar à 2 mètres près sont extrêmement importants. D'accord ?
Et de l'autre côté, vous avez l'esca blanc, le top esca blanc, et vous avez le cocktail. Ça, c'est l'autre bombe site. Ça, c'est le cocktail, tout ça. Moi, j'ai une question, Uncle. Est-ce qu'on est bon déjà là-dessus? Oui. Ouais. Parce que c'est important, parce que ça va être les deux bombes sites les plus jouées. Donc, on récapitule. Il y a du piano, il y a du cigare, il y a du Shiko, il y a du Danone. Ok, bah, Moupiz, vas-y, je t'écoute. Bah, il y a du Shiko, il y a du Danone. En dessous, ouais, Danone, c'est en dessous de la trappe piano. Danone, c'est en dessous de la trappe piano. À chaque fois que tu vas dire de la merde, un euro qui part dans la cagnotte. C'est Claude hein, qui a un souci à l'écran. Et j'appellerai ton père et je dirais que t'es insupportable. Donc, concentre-toi au lieu de dire des bêtises. Allez, vas-y, j'ai confiance en toi. Fais-moi les colos top, je les ai dit. J'étais si sûr de toi, vas-y, je t'écoute, écoute. Esca blanc. Oui. Fridge. Ouais, entre les deux. Entre les deux, il y a un cocktail. Ouais. Oui, ça ira. Ah, ouais. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, cocktail, mais bon, il y a le top escablant dont j'ai parlé tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, ok, ok. Attends, je réfléchis. Piano. Ouais. Dans le piano, il y a deux endroits importants. Trap. Non. Non, il n'y a pas de trappe piano. Mais si, il y a une, si, trappe, y a une trappe, mais bon. Bah, mais qui bon, donne dans quoi? Là, on va aller sous les pieds. Et le mur piano. La trappe piano donne dans quoi? Le train. Ok. Piano, du coup, il y a deux éléments, j'ai dit, qui étaient extrêmement importants. Le qu'on appelle les deux murs, là. Non, dans, dans des codes, là. C'est des codes, des positions. Qui vont... bah, derrière le bar. Ouais, oui, ça s'appelle comment ce bar? Cocktail. Ok, non. Donc tu vois, ce que je veux te montrer, c'est que si en fait tu prends deux secondes quand je suis en train d'expliquer un truc pour juste arrêter de faire ce que tu es en train de faire, écouter, et ça nous fait gagner tous un grand temps, et toi aussi en fait. Et tu verras qu'après tu seras plus content de pouvoir donner les calls, et tout est plus fluide en fait. Mais il faut juste faire l'effort d'écouter quand je suis en train d'expliquer les trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc en bas, fais gaffe, il y a des chances que je te réinterview, d'accord? Donc fais bien gaffe. En bas, il y a la bakery. Alright? Vous voyez à peu près? Bon, on verra parce qu'ils vont être en train d'attendre. On fera les calls, on fera les calls ensemble. Et donc du coup, c'est quoi où est-ce qu'il y a le site mini là, bar, où c'est et tout? De quoi? Ça, c'est le bar, ça. Le... On s'en fout. On le découpera plus tard. En dessous de la trappe, il y a Shiko. En dessous de la trappe, à proprement parler, la new hatch, la nouvelle trappe. C'est Danone. Shiko, c'est l'endroit où tu mets ton Jager. Là où tu peux planter le diffuse, en fait. C'est un peu la plante défaut. Si t'étais sur la... Si tu drops au niveau de la nouvelle trappe et que tu veux aller à l'endroit le plus court pour aller planter, là, tu tombes à l'endroit, ça s'appelle Danone. Est-ce que c'est... Tu le vois ou pas, cet endroit-là? Ah, ok. Ça s'appelle le... Pardon, Shiko. C'est cet endroit-là qui est Shiko. En dessous, tu joues sur la trappe, en fait. Mais on verra tout à l'heure. C'est pas très grave, ça. Ok. Il y a une question pour... Quoi? New Balcony, ça marche? Oui, de l'autre côté, on ne l'a pas dit, ouais. Ouais, New Balcon. Ouais. C'est en face du Danone. Et ben là... En face du Danone. Ok, parce que... Oui. Je sais qu'avec Sinès, quand on jouait sur le café, en face du Danone, on l'appelait Attic, enfin Grenier. Je sais pas, comme vous voulez. C'est vous qui voyez, franchement. Mettez-vous d'accord sur un truc et puis on y va, on s'y tient, quoi, ok? Ok, ok. Et t'as dit comment en dessous de la trappe? T'as dit que ça s'appelait comment? En dessous Danone. De la trappe, c'est Danone, comme la marque. Le yaourt là. C'est Danette. Passage de marque. Mais non, Danette, c'est Danone la marque. Danette, c'est le produit. Ah ouais. C'est Danette de Danone. Ah ouais. Oh seigneur, il sort de l'œuf. Okay. Il sort de l'œuf. Bon, moi je vous préviens, j'ai des Danone. Mais attends, mais ta maman, elle a accouché il y a 3 jours ou quoi, Mopiz? T'as 4 mais ans. Mais non, moi je dis toujours Danette. Je savais même pas que Danone c'était Danette. Le produit, comme tu vas dire un Big Mac. Mais le créateur, c'est McDonald's. Oui, ça, je le sais. Mais Danone, c'est pareil. Danone, c'est le produit, mais le créateur, c'est Danette, c'est le produit. Ah, c'est l'inverse. Le créateur, c'est Danone. Oui, non, mais j'ai compris. C'est juste que je savais pas. Okay. Ouais, non, mais oui, effectivement, aussi, voilà, quoi. Mais oui, Danone. Et Danone, je crois que c'est... On s'en fout, en fait. Mais il y a le truc, la laitière.
comme PS4, c'est Sony. Voilà. Ouais, si tu veux, ouais, c'est ça. Okay. On va tous les faire parce que là, on n'est pas dans la merde. Hein. Si on se refait tous les produits depuis 50 ans, les mecs. Donc, série X, c'est Xbox. Bon, c'est bon. Ok. Ouais. Microsoft. Et Xbox, c'est Microsoft. Non, Xbox, c'est Microsoft. Ouais, t'as tout goûté. Ouais, bravo. Ok. Ah, mais mon... T'as tout foiré, mental, du coup. Mais de quoi j'ai tout foiré mais... Non, c'est pas. Ok, alors, du coup. Let's go, allez, have fun. Et il y a quoi à gagner là? Parce que là, vous ouvrez bien votre gueule et vous me saoulez. Là, il y a rien. Du... Attends, du coup, le resto, on l'a. Du coup, le resto. De quoi le resto coup, tu... Ah ouais, le tu resto. Nous dit, ah, le resto. Tu nous as dit, il y a pas de last. C'est sur celle-là que vous devez gagner. Oui. On l'a gagné. Donc, oui. On a gagné quoi, coach? Un resto. Coach. Ça fait déjà deux. Du cœur. Merci, coach. Un resto du cœur, une petite soupe. C'est pas grave, c'est un resto quand même. Non, mais du coup, c'est le deuxième. De quoi? C'est le seul. Non, c'est le seul, on en a convenu comme ça. Du coup, on a gagné le resto. Oui. On est d'accord, coach? Oui. Oui, vous avez, okay, oui, vous avez gagné le resto. Ok. D'accord, coach. Un restaurant où on peut manger. Bon, ta gueule, toi. Tu vas la fermer, ta gueule, un peu. Mais il est relou, putain. Allez, let's go, on y va. Et là, il y a quoi à gagner? Eh, si vous perdez, vous devez tous mettre 2 euros dans la cagnotte. Combien? J'ai déjà fait. 2 par personne. 2? Ok. Pas 3. Attends. T'as 2 euros ou pas? Il va nous sortir quoi de sa poche, là? Qu'est-ce qu'il va faire? Mon pisse, c'est pas une pièce, tu la rends pas dans ton ordinateur, mon pisse. Et tu vas la mettre quoi? Tu me la mets dans le port USB, trop du cul? Comment je fais, moi? L'écouteur USB. L'autre, il a des dollars. Qu'est-ce que tu fais avec des dollars, toi? J'étais en Amérique et je les ai gardés. J'étais en Amérique, écoutez-le. Non, mais j'étais en Amérique. En Amérique, c'est une ville. J'étais à New York. Ouais, d'accord. C'est une ville dans le Vaucluse. Ça s'appelle en Amérique. C'est ça, exactement. Non, j'étais à New York et j'ai gardé des. Ouais, New York sur Marne. Ouais, on connaît. Exactement, ouais. J'étais voir. Bien sûr. Allez, du coup, excuse-nous, l'autre. Excuse-nous, j'ai des dollars. L'autre, ouais. Ah non, mais j'ai que ça, si tu vas te passer, en fait. Excuse-nous. Vous prenez les dollars? Moi, je suis désolé. J'étais à New York. Allez, ok, let's go. Et je parle pas anglais. J'ai 2 centimes. Vous êtes prêts? 2 euros, je m'en bats les couilles. Comme ça, tu vas te prendre la tête avec tes parents. Je me suis fait aujourd'hui. 2 euros, je dois me saigner. Bah ouais, bah tu te saigneras. La banque. Excel sur Tulid, bisous. Non. Si. Vous avez intérêt de gagner. Oh. Et vous êtes en défense en plus. Comment ça tu connais pas la map? J'ai pas l'école de la map, hein, je vous préviens. Ah oui. Okay. Ça va être incarné. Oui, ils viennent de les dire, d'accord, mais on a vu qu'une seule partie, Sinaz, s'il vous plaît. J'aurais bonne chose ou bug, moi? Non. Tatcha. Ok. Apparemment, il y a une cible sur Thatcher. Merci Rocco pour les 4 mois. Un monstre. Merci Axven pour les 7 mois. Vous êtes des monstres, les amis. C'est pas logique, mais de base. Classique. Ouais, mais Thatcher sur café. Ça va être marrant. Je sais pas quand vous pensez qu'ils seront défoncés. Rentre nos blagues, c'est sûr, tu lead. Arrête. Ah, il y a un couille. Thatcher sur café, je le vois jamais. Hein? Mais comment ça? Frérot, quand. Quand tu joues ben, pour les deux walls au niveau du top escar rouge, et quand les attaques en bas, il est trop important, frère. Je vous préviens, je vais être un poids sur cette map. Non. En bas, moi, j'attaque pas sur le ni sur le terrain, ni la... Du coup, quand Nito, tu veux pas lead attaque, vive attaque. Si, je vais lead. Ok. Let's go. C'est Nito qui lead? Quoi? Oui, Nito lead. Allez, vas-y, go. T'as une question de quoi? Non, reste, c'est moi, j'ai ma réponse. Ah oui, non. Comment s'appelle... t'as vu quand tu rentres dans la bakery? Bakery? En fait, non, oui, non, mais... Pourquoi c'est non? Quand tu casses la porte... Ça veut dire boulangerie. Quand tu casses la porte, le mur qui est en face. Ouais, alors moi, j'appelle ça le paper. Mais il me semble qu'il y a un autre con... Il y a un autre nom qui est vraiment universalisé. Merde. Pourquoi on n'a pas Valkyrie? Pourquoi on n'a pas Valkyrie? Comment il s'appelle déjà ce call? Parce que je la joue, mon pizze. On est de côté, mon pizze. Prep. Le prep. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, je sais plus. Et le carré déjà? Putain, je suis con. Ah, je l'ai plus non plus. Tu prends quoi, Nito? Le carré sous cam. Au niveau de l'abribus.
Il faut un Jaeger. Small Bakery, non. Une Rooney, c'est pas mal non plus. Il y a un call okay, en Rooney, français. Boudoir. Boudoir de l'autre côté. Boudoir, c'est au niveau de l'abribus. Nito, je viens de dire quoi? Je prends Jaeger ou je prends Mélusée? Boudoir, c'est au niveau de l'abribus. Mopiz, j'ai dit quoi? C'est bon, on a une Mopiz. Oui. Bah, t'as bugué ou quoi l'autre là? J'ai dit quoi? Les noms ils sont trop durs, j'arrive pas à retenir. Boudoir! Boudoir, le truc on dirait c'est un endroit parce que les gens ils boudent. Oh putain. Mais boudoir c'est un gâteau. Petit gâteau. Un gâteau, bâtard. C'est quoi tiramisu? Oh putain. T'as bouffé des tiramisu dans ta vie, putain? Ouais, j'adore ça, j'en veux. J'ai le cocktail, les gars. Non, bah moi je dis tiramisu, c'est pareil, du coup. Espèce de chèvre. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est con. Hein. Je vous mets. Prends ça comme un compliment. Jaeger, s'il vous plaît. Pingez-moi. Je sais pas du tout. Mais où c'est que tu mets. Il faudrait une rotation sur ping, s'il vous plaît. Un casque blanc là, déjà, mais un casque blanc. Ok. Je joue où, Nito? Tu joues mon dieu, il a 2 ans oui. D'âge mental. Je, du coup, je sais pas où jouent mes copains. Je sais pas où je joue. Est-ce qu'on va avoir une rotation sur ping? Attention. En vrai, je joue le piano si t'es chaud de défendre. Moi, je joue cocktail. Je joue cocktail et faut que je me tire pute. Moi, je joue pixel, moi. Moi, je joue là-bas. Coin pute? Coin pute, c'est le petit carré là. Dans le piano. C'est là. Coin pute, c'est là. Ici, là. Sur ping. Sur ping 1. Sur ping. Pourquoi ça s'appelle coin pute? Parce que c'est un coin pute. Un coin où il y a des péripapéticiennes. Mais vu. Hein? Il y a aucun info, c'est cool. Ah là derrière. Ah, je me suis renfo pour moi. Derrière, bah, comme d'hab. Eh, ça sent bon. Je vais mourir, hein, je vous préviens. T'es où? Non. Par où? Par la trappe au-dessus là? Je suis mort d'en bas, ouais. T'es voyant. Prends les Kamalki, Red. Info, parce que là j'ai une trappe de cassé. Si tu me donnes l'info exacte, je peux le back. Ça arrive sur piano le... Ouais, piano. On rappelle, ils sont. À droite, piano. Ça met des nades. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il était en bas? Derrière, toujours. T'as pas regardé la cam. Il a pris une nade. Nito, j'ai la cam, t'inquiète. C'est drone nuage. Il y a un rappel. Tu l'as, Valky, ou pas? Bah, je peux jouer si tu veux. Merci Gothic War pour les 6€, vous êtes des monstres, les amis. Il a drone tweet, Okay, j'ai été droné. Mopis, arrête de faire les cons, c'est la deuxième fois que je te vois faire le con avec les caméras, tu me gonfles en fait. Concentre-toi, s'il te plaît. D'accord? 0 cassé. Promets-moi que tu vas arrêter, tu vas te concentrer, s'il te plaît. Promis. Ok. J'ai pas le call, c'est quoi ça, ce cigare? Y'en a un cigare? Ouais, c'est une cigare, toi. Il est où? Est-ce qu'on a toujours le call s'il y a quelqu'un en bas ou quoi? Cigare, oui. Cigare. J'ai la cam de Mopi. Non, pas toi, je te parlais à Sinas. Sinas, j'ai la cam, hein. Qui donne sur. La cam qui est à côté de toi, à ta droite là. Ça drone du coup. Bah, okay. Ça drone piano. Drone sur toi. Oh. Il est derrière le petit bar. Piano. Zéro mort. Ça s'appelle comment? Zéro mort trap. Le petit bar. Mini bar. Mini bar. Là où il y a le mini bar. Je remonte escablan. Ok, ça push au niveau de. Ouais. 3 au niveau du piano. 3 au... 2 au niveau du piano, ça push. Il y a un drone à tes pieds, Excel, en face, à la porte. À gauche, à droite. Ok, je l'ai pas eu. Mort! Nice! Ibana couloir! 10 secondes, 2v3, 10 secondes! Ils sont piano! Couloir blanc? Oui, ils sont encore au niveau du piano, je les entends. Au niveau du coin pute, sûrement. C'est parti! C'est la default! Non, cigare, y'en a un ski! J'en ai un cigare pour moi, il est cool. Ok, toilette, y'a quelqu'un toilette. C'est derrière toi, dans tes toilettes.
Oh les lacunes. Nice. Eh hey, tu peux diffuser. Ah non. Non j'ai rien dit. T'as vu le diffuse non Pizza? T'as vu le diffuse hein? T'as pas le diffuse frérot. Je t'ai... Désolé. C'est pas grave. Voilà, c'est pas celle qui est en vouloir sur cette. Let's go, Nito, ils ont fait quoi? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont push piano. Faut un mec qui tient le piano, piano ou le compute là, ou quelque part. C'est obligé, c'est obligatoire. Bah, ils sont tous passés. Ils ont drop à la trappe rouge aussi. Et ouais, c'est un peu de ma faute, hein, du coup. C'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute. Je voulais bien la place de Mélusy ou pas? J'ai pas tenu la pause au niveau de piano. Du coup. Viens, Red, j'avais un trou de mémoire sous les Jaegers, mais je vais te dire où les placer. Ok, ça va pas. Ça sent les 2 euros, ça. Bon courage. Ah oh bah là, oui, oui, non. Bah, à cause de toi, j'ai mangé des patchs qu'à la fin du mois. Aucun problème avec ça. 2 euros. Du mois de juillet. 2 euros. J'ai aucun problème à le dire que je vais les donner, hein. Tu peux donner pour ma part aussi. Eh les gars, j'ai que 10 centimes, donc vous allez devoir payer à ma place, hein. Non, tu te démerdes avec Claude. Et tu te démerdes avec tes 2 euros. Attention. 2 euros. Je vais la sauter celle-là. Je sais pas qui c'est qui fait la trappe piano, la route à piano, la route à toilette. Mais fais-la. Qui peut la faire? Qui peut la faire? Bah, Sina, si t'as des percutes, non. Viens, je peux la faire, je peux la faire. Sautez, bon, Mopiz, écoute, s'il te plaît, frérot. Mopiz! Quoi? Mais continue la route là! Mais. Ouais, les gars, faut arrêter 2 minutes, hein. Je suis en train de la faire, on me dit écoute! Bah oui, parce que je viens de dire qu'il fallait la faire sauter, frérot. Là, la red, sauping. Okay, un de chaque côté. Et comment tu veux que je la fasse sauter? Bah tu la fais à niveau tête, Mopiz, qu'on puisse sauter dedans. Ah! Bah oui, allez, ça monte au cerveau. Bah mais je sais même pas que ça veut dire ça, faire sauter. Ouais, c'est, il avait raison, mec, il a raison, mais maintenant tu sais. Et le mur d'à côté est renforcé. Tous. Tous? Oui, on verra après. La Mélisie du coup de la réunie sur la porte de l'escable en coin pute. Mopiz, c'est toujours toi, tu t'appelles Aruni. Oui. Ouais, couloir escablant, coin pute. Mort Sledge, j'en rappelle. C'est moi qui vais dessus. Couloir escablant, coin pute, ah, écoute bien. Ah mais c'est dans le white, la fenêtre white. Esca white, y'a Ibana. Mopiz, couloir escablant. White. Couloir escablant. Couloir blanc, coin pute. Là. Escablant, voilà. Là. Couloir blanc. Là, la porte, là. Il faut t'arruiner là-dessus. Ah. Non. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. Oui, t'as raison. Ça, tu le défends. Les toilettes, c'est ta safe zone. Pas de verticalité au-dessus, pas de verticalité en-dessous. Voilà, c'est tout. Tu feras gaffe, Mopiz, la fenêtre derrière toi, il y avait quelqu'un. Ouais, j'ai cru voir. Prends les cams, Red. Comment ça, ouais, je prends les cams? Y'a quelqu'un au niveau du cocktail? Sina, je me suis trompé de personne. Cocktail, c'est moi, je suis cocktail, moi. Y'a un zéro qui a été placé. Il est cassé. Sur ping derrière le mini-bar. Il vient d'entrer. Il est dans le corner droit. Il a pété la cam. J'ai un truc là. J'ai pas baisé. Je vais les poser à droite sur le truc. Ouais. On attend, hein. J'y suis plus au niveau de. Oh. Peut-être. Bon. Oh. Fais gaffe, y'a un drone Twitch. Tu sais que j'ai envie de back. Non, t'as qu'une pièce. Drone Twitch cassé. Bien joué. Porte Twitch, je sais pas quoi. Je vais porter un back par les Redsters. Faites gaffe, il reste 26 secondes. Préparez-vous à ce que ça s'agite. Pardon. Ça va, je peux faire. Ça appuie. Un à terre au fond, j'ai pas l'info. What? Non, nomade de porte. Ah non, c'est passé Fridge, c'est cocktail.
Mister Good Call. Nomade, cocktail. Porte. Il est mort. Ibana, cocktail, je pense que c'était la dernière. Je diffuse. Diffuse. Bien du balcony. Bien joué les gars. Ok, ça va pas planter ce cocktail, my bad. On reviendra quand même sur le dernier call de Mopiz. Il était pas bon. Ah bah si, porte. mais laquelle? J'ai dit laquelle? Non. T'as dit juste porte. T'as dit porte. Non, j'ai dit porte pute. Non. Non, t'as pas dit pute à la fin. Mais la vérité, je le dis. Tu étais en train de me traiter de menteur. Heidegger encore. Heidegger encore. Je bandis si vous voulez. D'accord, je l'ai pas dit. Ok. Nomade porte. Ah bah du coup, je jouerai pas bandit. Un castle, c'est fort aussi là. J'aime bien. Je le bandit, mais on prend le bandit à l'avant. Ouais, Mira sur les murs. Ouais, mais là, c'est pas très. C'est pas derrière le comptoir. Derrière le comptoir, ça peut passer. Voilà. Ok. Ah non, mais vraiment, vous me carriez hein, sur ce. Je préfère vous le dire tout de suite. Okay. Pour l'instant, c'est Mopis qui carry. Attention, vous êtes sur une map que vous ne connaissez pas. D'accord ? Donc, avantage à la défense. Ok, oui. Donc non, chaque round. Voilà, vous ne connaissez ça pas, vous n'avez pas de stratégie d'attaque, etc. Eux non plus. Mais la différence, ça va être sur la. Non, c'est pas ça. La défense. Non, moi, je te le dis, moi. D'accord, je vois comment ça attaque, je vois comment ça le fait, etc. Je vois bien qu'il n'y a pas forcément l'habitude de jouer ensemble. D'accord ? Et ça, forcément, ça a des avantages, l'attaque. Donc chaque round pris en... Là, il n'y a pas vraiment 1-1. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ben là, non, oui. Le point pris par eux compte beaucoup plus que... Voilà, quoi. Donc soyez efficaces. Bon, je suppose qu'il faut que j'en mette un ici. Quelqu'un peut aller faire la trappe ou pas ? Il va pas mettre ses fils barbelés. Pas moi. Il va oublier de mettre ses fils barbelés. Tu vas la faire Ouais, pinglez-moi. Bah allez quand t'es dans le... Sur ping, s'il vous plaît. Quand t'es dans le white. Quand tu montes le white, escalier. Oh, j'ai Yeager ici. Pas sur ping. C'est bon, je l'ai. Merci. Un Yeager ici, tu vas le jouer? Ah bah oui, d'accord. Oui. Ok, c'est bon, j'ai compris, pardon. T'inquiète. Tu renfaux là, ici ou pas? Ouais. Tout? Ouais. Ok. Bon, venez renfouter avec moi là. J'ai un peu late, sorry. Ah. Bravo Redouard. C'est pas fini. Non, si ton pote le jouait Bakery, ça aurait été sympa de lui mettre le fil barbelé à un endroit où il va avoir une problématique, tu vois. C'est un peu trop tard, mais... Quand t'as vu le truc, tu vas le jouer Bakery, hop là, tu le mets sur la porte Bakery, tu vois. D'accord, ouais. N'oubliez pas, les fils barbelés, ça donne toujours l'impression que c'est un gadget de merde. Je sens que ça a joué bug au top. Ça m'a pété la mire avec Twitch. Il est pas passé. Le fil barbelé, c'est beaucoup plus... On peut péter les dents de Twitch, c'est vraiment important. Ah, y'a bug. Sûr, y'a bug. Il noir là. Et ils doivent avoir lunettes thermiques. Piguez pas. C'est à move, je tiens. Ouais. Le temps est open. Niveau de la. Frip. Ça joue le top aussi. Ça joue le top, ça joue. Non, ça joue le top avec un sledge. Ok. Ah oh, mais y'a un drone Twitch là, putain je suis con. Ça pique au terrain, ça pique devant la drone Twitch cassé du con. Merci. C'est rentré Bakery. Putain ça m'a cassé au dessus. Ah ça joue chienne là. Y'a Nomad sur ping, elle est dans le 90. Y'a le thermique qui rentre small Bakery. J'ai rien entendu. C'est rentré. Mort au top. Ils sont partout. Dis plus popping. Ah la Mira. Non aussi. Putain, j'ai pas vu, merde. Derrière la Mira c'est au niveau derrière le comptoir. Derrière le comptoir, entre la Mira et le comptoir. Ça smoke. J'ai pas le call de la salle. Non plus. Dommage. Mec. Comment il sait? Oula. Comment on va dans la Bakery? J'ai pas d'infocam.
Et après il est là, je crois que c'est le fieu, c'est sur le... Ping. Les... Il y en a sur ping 5. Non. Dommage. Mopiz. Je suis pas mort. Je suis full safe, Mopiz. Il est reparti. Je suis full safe, Mopiz, hein. Y'a personne sur moi, frérot. Vraiment. Il est toujours sur ping, il push. Il repique. Il push. Il vend les plantes. Ah, on est plus fort à deux que tout seul. Nomad Lou, sur ping. Emmerdez-le. Bien joué. Bah, bien joué, les gars. Bien joué. GG, franchement. Mais Mopiz, quand un de tes teammates te dit viens me res, comme tout à l'heure sur Oregon, tu y vas direct, ok? Tu t'attends pas. D'accord, blablabla. Ok, tu vois ce que je veux dire? Efficace. Oui. Tu t'arrêtes pas, tu y vas, machin. Ouais. Faut favoriser quoi là? Le train ou la bibliothèque? Bibliothèque. Ok. Oh, chiche. Ok, n'oubliez pas, l'escablant, ouais. L'escablant est une powerhouse, est une power position. Quand vous défendez au niveau de l'escablant, du coup, renforcez le garage blanc qui est en bas pour les faire chier pour jouer par la porte de par la porte du garage blanc. Et là, ça donne une position relativement cool. En face de lui, il y a le mur de la cheminée. Ce mur-là, il faut qu'il y ait un trou. À droite, il y a un mur qui doit être renforcé parce qu'autrement, la personne qui se met en rappel au niveau du salon, du dining, de la cheminée, peut avoir une ligne vers le mec qui va être dans la buanderie, qui est une autre power position. Et enfin, extrêmement important, la reading room, là où vous êtes, ça ne sert à rien de la jouer si vous ne défendez pas le top. Mais tout le top, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé du coup de défendre qu'une partie du top. Et la partie du top que vous allez défendre, c'est le cocktail. D'accord ? Donc toute la partie piano, cigare, vous y allez, mais sans utiliser de point de défense. Donc il faut délocaliser. Une à deux personnes s'occupent du top et le reste, voilà. Non, Nito, trop de rota là. Ah ouais. Oui. Ah oui, c'est la petite pièce là, j'ai oublié. En face, fais gaffe, tu vois le mur renforcé, voilà, il l'a fait. La Cavera, je sais pas ce qu'elle fait. Non, pas celui-là, non, Cavera, t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Ça, c'est justement le truc que t'aimerais bien voir puisque tu vas jouer dans l'escablant derrière toi. Il y a une power position. J'ai le cocktail du coup. Moi je joue au top les gars. Ouais, j'ai pas envie de voir des caméras si Nazan, il t'est arrivé quoi là? Caméra pulse là, vous touchez les mecs. Hein. Moi j'ai misclick. Moi j'ai misclick à la fin. Ouais, t'as misclick. Tu vas voir, tu vas misclick sur le PayPal de 2€ tout à l'heure là. J'ai pas PayPal. Ouais, bah tu vas voir. Allez, let's go. J'ai 1,70€, je sais pas si ça te va. Ouais, bah tout. Okay. C'est moche d'être jeune, t'as 2€ quoi. Donc en gros, si je résume bien, on est 2 sur site avec Red et 3 en roaming. Okay. Mais moi je reviens. 2 cocktails et 3 au bureau du site. Enfin, 2 cocktails, 2 à l'étage du site et 1 qui est en roaming en bas. Ça ouvre trappe au top. Donc, j'ai dit quoi, Mopiz? Le mur à ta droite, Tito, doit systématiquement être renforcé. Hein. Le mur pilar. Je suis ping Jacal. J'étais droné, moi. Viens, Red pilar. Le mur pilar doit forcément être renforcé tout le temps. La trappe sur ping est ouvert. J'ai été jacalé. Et là, c'est comment, là, Six? C'est rentré bar au top. Où ça, là? Ici, là. Non, ça, c'est ce qui te permet d'avoir le... Tu pètes le bas du mur. Hein. Grand Twitch mort. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours prendre le cocktail et le défendre. Ça va en rappel, attention en rappel. Ça redescend, que j'ai ping rouge comme un toto. Ah. Il faut essayer de défoncer le mec. J'ai pas d'info cap, j'ai qu'une seule cap. Info les gars, j'étais... On a pas d'info. Enfin j'ai pas d'info par contre. Il y en a un que j'ai mis très très low. Fenêtre Oh je sais pas. Ouais, c'est pas grave, mais si tu joues Pulse, j'ai envie de te voir jouer Pulse. Donc dans une logique de jouer Pulse, là, t'es en train de jouer Pulse comme si t'étais Vigile. Voilà. Oh, j'ai trop peur. Parce qu'à blanc, là, ouais, mais c'est pas ce que tu l'as en plus. Oh. Ah, t'as plus de C4, excuse-moi, j'avais pas vu, moi. Good luck. Mes frères, faut les tuer pour le stage en haut. C'est à toi de le faire, Sinaz. Faut que tu l'arraches lui. Non, parce que je peux pas trop là. J'ai pas les nomades, mais j'ai pas les.
Si tu l'as, ce call là. Ah bon? Non, c'est bah, quoi? Bah ouais, Danone. Mais là, il était pas Danone. Si, si, il était Danone. Ah. Wisters et Finca. Dommage. Oh, j'en ai eu qu'un. Avec 4 raids, 24 secondes. Easy. Et pas d'info qu'un. Escalier, c'est. Chut, chut, chut. Je le ferai pas, mais. Escablant. Ouais. Nice. Nice, Red. On aura peut-être un pilar. Pilar, c'est à gauche. Les murs qu'on a, les deux murs qu'on a en faux. Je sais. Pense, frérot. Elle meurt quand, elle, frère? Vas-y. Ça passe pas à travers l'armoire. Ah ouais? Dommage, bien joué, Red. Non. Bien joué. C'est de la merde, ça, pourquoi ça passe pas à travers, hein? Regarde à l'intérieur de l'armoire. Il y a des armoires auxquelles ça passe et des armoires où ça passe pas. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait défoncer? Parce qu'il y avait trop de roaming. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué le top. Du top. Voilà. Ils ont joué la verticalité. On okay. A perdu le bar trop tôt. Le cocktail trop tôt. Exactement. Vous avez perdu le top trop tôt. Et c'est bien de dire trop tôt, parce qu'il y a un moment où il va tomber de toute façon le truc. Mais vous avez perdu le top trop tôt, leur laissant la possibilité de vous défoncer la gueule par-dessus, et ils vous ont défoncé la gueule par-dessus. Voilà, c'est tout. Parce que s'ils jouent au niveau de la librairie, les lamelles qui sont au-dessus du cocktail leur donnent l'avantage, en fait. Ils peuvent planter à la porte. Ils peuvent planter directement au niveau de la porte, là où il y avait le... Enfin, je vous expliquerai, la plante défaut, là. La première okay. Armoire à droite de la... Juste à droite de la Yana qui a décalé sur la fin, là. Au niveau et... du petit closet, là, stock. Non, 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 la plante non. Défaut, c'était là où la Yana, tu te souviens, là, sur la killcam? Elle est à cette porte, là, la porte de la librairie, ok? Ah, juste okay, au contact okay. À droite, juste au contact à droite, il y a une petite armoire. Et c'est là qu'elle doit planter, c'est là la plante défaut. Et pour avoir cette plante défaut, il faut avoir le contrôle de l'endroit où elle est, là, à savoir le pilier, mais surtout du top. Si tu perds le top, alors tu perds cet endroit. Et le seul moyen de jouer autrement, une fois que t'as perdu le top, bah c'est de jouer sur la verticalité. D'où le fait que j'ai demandé à Mopis, si t'as un pulse, viens leur défoncer la gueule. Mopis, t'as compris le truc de la rota sautée ou pas? Oui, là j'ai compris. Merci Mas72 pour les 9 mois et Taylor et 62 pour le fait d'être un nouvel étudiant, ainsi que Gothicoire et ses grandes générosités de 6€, vous êtes des monstres. Le top doit être perdu à combien de temps? Bah s'il est jamais perdu. Alors bon, là des... faut vraiment bien la sauter pour l'avoir. Si t'as jamais des... Il est parfait, le trou. Si t'as jamais de... Si t'as le contrôle du top... Mais y'a aucune équipe qui va te laisser avec le contrôle du top, quoi, la plupart du temps. À moins qu'ils poussent sur site ou à moins qu'ils se soient aperçus que t'avais pas... En plus, tu peux tomber directement dans le main, quoi. C'est extrêmement compliqué. Et puis, idéalement, au top, tu fais des trous. Donc en fait, tu fais déjà le truc que eux vont faire, quoi. Au niveau de la fenêtre FK. La fenêtre escablant. Je vais faire arracher par là derrière. Maintenant. Ah, ah la derrière, ouais. Tu viens de j'ai voir. La cam, Nito. Drone Twitch, trappe. Trappe Danette. Danette, j'ai été droné, j'ai été droné. Danone. Oh fucking hell. Toujours derrière. On va voir le mieux piano. Rota freezer, mauvais sens, non. Alors niveau? Non. Drone ici laquelle sur ping. La rota du blue toi. Je l'ai pas drone vu. Drone ici sur ping, derrière toi. Bah je pense que... Et va voir la rota. Ici. Ici, sur ping, c'est rentré. Ayana, Nibar. Ayana sur ping. Mopiz, décale-toi un peu à gauche. Fais voir la rota qui est à ta droite vers le freezer. Grand pitch mort encore. Gauche, pardon. Ici, la rota elle doit être inversée. À gauche et mur renfort là où il y a le trou. La case c'est barbelé. Là, si tu... là où t'es là, le mec voit ton pied en fait. Et même là, j'ai il voit ton pied à la trappe. À la skylight. C'est pas grave, plus okay, tard, plus tard. Plus tard. Je disais juste pour plus tard. Donc tu le rappelleras à tes teammates.
Ils sont mini bar. Y'en a un qui s'est. Ils sont. T'es quoi? J'ai pris Yana, mini bar. Impossible. Benoît, je l'aurai. Oh, ouais. Je l'ai raté, je m'en veux. Oh, c'est ma faute. Il est 1m6 Ibana... Ibana piano. Oh, s'il vous plaît. 2 secondes. 2v3. Je suis pas très très bon, mais bon. Finka, Finka, l'autre, la trappe à côté de. Top red. La plante. Ibana mort. Où ça? Porte pute. Parfait, cool. Allez, parlez-vous. J'ai pas d'infos. Le fridge. Ah là, c'est l'un des seuls moments où tu dois pas trop parler là, au final. Je sais pas. Non, tu me diffuses, moi. Non, je le vois pas. Mais il est où? Piano. À gauche. Hop. On le voyait pas. Du coup, ce call, non, c'est horloge. À droite, il y a une horloge. Ok. Ok. J'aurais pu tenter là où il était. Parce que, au lieu de pique, au milieu du trou là. Oui. C'est tu diffuses derrière, il ne verra pas. Et si Naz avec son accessoire, je peux que c'est une lésion. Oui. Ouais, c'est moi. Clairement. La ligne sur le Danone. Ça, à mon avis, c'est le truc le plus EV plus à faire. De passer très rapidement devant le truc, de s'apercevoir qu'en fait il avait planté, mais bon, il a fait un trou qui est pas très très grand non plus. Et de pouvoir se mettre à 1 mètre, continuer le diffuse, et d'envoyer un signal très très fort du Ohé, je diffuse ta machine, va falloir que tu bouges. Et quand tu bouges, tu fais des erreurs. Toujours. Au moment où c'est comme ça, voilà quoi. Et s'il y a bien un moment où on peut tolérer en fait le silence, c'est marrant, hein, mais c'est tout l'inverse de ce que en fait on fait la plupart du temps. Là, dans ce genre de 2v2, bah c'est à peu près normal qu'il n'y ait pas beaucoup de calls, quoi. Si les mecs sur les caméras disent on n'a pas d'info, bon bah le 2v2, ils n'ont pas grand chose à se dire, à part à un moment là, Mopis aurait dû parler en disant attends, je diffuse et tu me couvres. Voilà, c'est tout. Et là, c'est le seul truc qu'on aurait pu entendre, quoi. Parce que derrière, s'il n'y a pas d'info, du coup, il faut y aller juste sur les mécaniques pures et juste au en fait check only avec le son. Donc, faut se balader à droite, à gauche, faut aller provoquer, faut aller mettre des petits trucs dans le piano, etc. etc. Et en face, s'ils jouent bien, ils n'ont aucune raison de bouger tant que vous diffusez pas. Entre guillemets. Ok. Elle est complexe, hein, cette map. Ouais. Quand tu la connais pas, c'est compliqué, hein. Je la connais pas, c'est compliqué. Merci évidemment, Driptic pour les 15 mois, vous êtes des monstres, les amis. Mais non, pourquoi je le mets là? Il m'a pas dit de la mettre là. On renforce Fridge. Tu veux là? Ce serait sympathique. Les toilettes, ça m'empise. Il faut m'aider. Le castle au niveau du cigare, je l'aime pas, moi. Créer une safe zone pour soi, il faut pas que ça crée une safe zone pour soi-même, pour nous. Hein. Pour eux, pardon. Je renfo? Ouais, renfo. Mais non, il voyait pas mes pieds, Six. Ah, y'a plus de vol. Ah, là, c'est chaud là, par contre. De quoi? Le verrière, du coup. Il voyait pas mes pieds. Bah, si t'es collé contre le mur, non. Si t'es collé contre le mur, non. Mais de la verrière, on voit le pied. Même là, du trou de rotation à gauche, tu vois là. La verrière, tu le vois. Tu feras le test tout à l'heure. Elle va ouvrir rouge. Si tu restes au niveau du trou de rotation dans lequel t'es en train de tirer là, tu bouges pas, il te défonce les pieds le mec du Skylight. Et le Skylight. Skylight, c'est la lumière du ciel. Donc tu as compris ce que c'était. La verrière, ouais, okay, en fait. Ouais, okay. La verrière. En gros, il y a un drone. Et j'aime pas les drones. C'est un drone niveau Danone. C'est le reste là, je pourrais pas le jouer, moi. 1€, Red War. Je sais. Bah, tu peux le mettre, hein. Il y a un drone couche, j'arrive pas à l'avoir. Alors que je l'ai pas, le drone n'est pas... Drone couche cassé. Ça a drop New Watch. Et piano. Là sur ping, ouais sur ping, Ayana sur ping. À l'avance. Accessoire. Tu peux plus l'avoir. Elle pique. Allez sur ping, accessoire. Sur ping. Allez, ok, elle push, elle est plus sur ping. Ok, là comme elle était cassée, elle est morte. Nice le cause,
Nice le goal. Cigare, j'ai eu cigare. J'ai pas vu qui. Info. Fenêtre. Une gare sur moi. Fenêtre où avec Red Piano. Ok. Laquelle? Celle de droite ou gauche? Je sais, j'ai pas l'info. Ah, ok. Ça drop. Merci infiniment, Any Blade, what the fuck, mate? Any Blade? Cigare? Aussi, t'as changé de nom. Y a du monde qui laissez-moi, poulet. J'ai plus de balles. Vous êtes des monstres. Tu flash. J'arrive, je remonte. Hello, c'est quoi le principe des héros en quelques mots hein? Alors, les héros d'Oregon, c'est des gens qui puent la merde et qui vont gagner le Six Invitational. En quelques mots. Alors, on n'a pas dit en quelle année. J'ai ta marque. Bien joué. Non. Cheat. Bien joué, les gars. Sur insert à vous là. Ouais, le castle sur le cigare, j'aime pas trop, Sinaz, parce que ça leur a donné une safe zone relativement cool en fait, ok. Le cocktail, ça se défend quand même. Mets-toi à la limite plutôt si tu sais pas où te mettre, dans le cigare, dans une position relativement, agressive, si je puis dire, dans le cigare. Le problème du cigare, c'est que t'es dans une position très très strong. À la new hatch, ça va pas dropper. Et au niveau du top red, ça va être compliqué pour eux de le jouer. Mais il faut que tu fermes la porte qui donne de piano vers cigare, du coup. On n'a pas d'enricher, les gars. Entendu, Castle ? Ouais. Non, d'accord, bah répète alors si t'as entendu. Oui, mais tu fermes lequel pour le. Oui, mais tu joues lequel du coup ? Le top red. Pour être agressif au niveau du top red, il faut que tu te mettes dans le cigare. Mais pour être bien dans le cigare et que si tu as envie de prendre castle, tu castle plutôt la grande porte double qu'il y a entre cigare et piano. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, sur une prise de piano, le mec va se mettre en rappel au niveau de la fenêtre qu'on appellera tout à l'heure la 51. Et la fenêtre à gauche du piano, en fait. Celle qui donne à l'intérieur du cigare. Et lui, il est casse-couille. Ce mec-là. Et donc, en revanche, la plupart du temps, si tu lui mets une petite castle à cet endroit-là, bah, il peut pas faire grand-chose, quoi. Et toi, dans le cigare, t'es relativement bien, en fait. Parce que à la new hatch, si t'es dans le cigare, ils te jouent pas, en fait. Ça va être très compliqué pour eux de te jouer. Ouais, mais je me place où, du coup? Parce que partout où je peux me placer, je peux être travers. Par qui? Dans le cigare? Travers par quoi? Bah par le top red, du coup. Hein? Non, pourquoi? Non, ben non. Dans le cigare, poulet, on parle bien de la même chose? Oui. Tu vois où il est, le cigare, ou pas? Ouais. Il n'y a pas de verticalité sur le cigare. Tout en haut, en posture. Tout en haut, en posture. Non, mais attends, je vais mettre mon drone. Merde, sur mon drone. Ok, là c'est top red. Oui, bah oui, bah il faut pas que. Bah ça, c'est ce que tu défends. C'est ce que tu défends. Ça, c'est la porte que tu veux pas. Là, ton ping 5, là, il faut que tu sois dessus. Prends. Il te traverse, mais je t'ai pas dit de te cacher. Je t'ai dit de le jouer. Il faut que tu joues que cette porte là. Tu les empêches de venir dans ton cigare. Donc tu te mets un petit shield, tu demandes des trucs, etc. Et tu te mets un castle derrière toi là. Et tu le joues. Eh, quand tu drops au niveau du top red, tu vas voir en attaque comment c'est agréable. Ok. Toi, venir avec moi. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On monte au top là. D'accord, très bien. Vous allez bien m'écouter. La... Planquez-vous pendant 2 secondes et écoutez-moi. Personne ne bouge. Ok? Il va falloir monter sur le toit. Ouvrir les trappes très très rapidement. Il y en a 2 à ouvrir. Donc déjà, faut pas que ça prenne 3 heures à faire. Une fois que les trappes sont ouvertes, on joue le top red. Pour prendre le top red, déjà, on s'assure qu'il y aura personne qui va y revenir. Nomad dans le top red, c'est ce qu'ils avaient fait tout à l'heure. D'ailleurs, on va ouvrir le mur T1. J'ai pas terminé. On va ouvrir le mur T1 qui donne vers le piano. Parce que ça va nous donner de la latitude sur le piano. On va prendre le cigare, le piano, dans l'ordre. Ou le piano et le cigare, c'est pas très grave. Mais ces 2 éléments-là sont extrêmement importants. Sinaz, écoute-moi et bouge pas parce que je vais te faire répéter après. Et ça me donne le tournis. Oh. Donc, du coup, vous allez prendre le piano et vous allez prendre le cigare. Ok ? Et après, le but du jeu, c'est de jouer les personnes qui vont être au niveau du coin pute, des toilettes, dans l'ordre. Et après, le mur fridge, là. Rien que ça, sur cette map-là, à cet endroit-là, c'est déjà la possibilité de se trouver en 1v1 à la fin. Il n'y a que 2 pièces. J'ai parlé que du cigare et du piano, quasiment. D'accord ?
Mais c'est très compliqué, ça va se jouer dans le détail. Comment on va défoncer le mute? Comment on va défoncer le truc? Là, on va voir que le vrai teamwork. Mais dans l'ordre, on monte sur le toit, top red, cigare, piano. Comment on joue ça? Et après, on discute. Et personne ne monte sa tête au niveau du skylight. Personne. Bon, please, let's go. C'est bien toi, là, pour ouais. Quand t'es faire quoi, là, j'aime bien jouer ça, Sinaz. J'aime bien jouer 52, ça te permet de prendre le cigare. Non. Ah, frères, hein. Ça, c'est parfait. C'est, quoi, c'est l'un des premiers trucs qui vous arrivera. Plus jamais ça vous arrivera, ça. Ah, mais je joue pas, je suis AFK tout le temps, frère. Ça, c'est au sledge de le faire, d'ouvrir la machine. Oh, merde, non, le sledge. Désolé. Mopis, là, t'aurais pu te faire défoncer. Si tu l'ouvres du côté de Sinaz, toujours. Ok. Et t'apprends à le faire dans les coins. Question. Est-ce que je peux aller là pour clear là? Y'a du mute. Non, non, mais. Eh, hey, tu te fous de ma gueule, Mopis, ou quoi? Non, j'ai dit exactement tout quoi faire là, je vais pas répéter pendant 107 ans. Suggestion. Oui, mais il n'y a pas de suggestion. Faites le truc et après les suggestions elles arriveront après, d'accord? D'abord le scolaire et ensuite on verra. Il y a des mutes. À droite, un peu plus à droite. Là. Ok, t'es pas obligé de regarder et voir ce qu'il fait. Et t'étais sûr qu'il y avait personne à ta gauche là, Mopis, quand t'as droppé? Non, mais plus piano. Ok. Tiens, je t'ai dit. Premier truc en face de toi, Mopis, là il y a ton drone, il a un problème. Pourquoi? Ok, et ça, c'est que ça va être que ça ici. Des petites merdes, des petits jammers. Le petit jammer qui va vous empêcher de faire ci, ça, ça. Let's go, 13 secondes. Là maintenant, on bouge, on y va. Let's go. Allez, Il est gars mort dans le fridge. Mort. Faut planter. Ah merde. Dans le bac. C'est quel diffus? C'est pas grave, c'est pas grave. Le round ne compte pas, on rigole. C'est le round bon. Mais oui, tranquille. Ouais. Ok. Donc du coup, faites attention à ça. Site, hein. Oui, mais ça c'est normal. Oui. Ok. Vous mettez des headshots, ouais. Très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est le reproduire et que ce soit bien, ok. Donc du coup, faites attention à tous ces éléments-là. Cette map-là, sur la prise de votre top, ça va jouer au détail, d'accord? Ok. Le bas, ça va jouer un peu au skill. Et la plupart du temps, ça va être de savoir comment est-ce qu'on attaque. Le mieux, en règle générale, c'est d'attaquer la bakery, d'attaquer de l'autre côté, ok, ou de savoir où est-ce qu'on va attaquer, au niveau du garage blanc, au niveau de la bakery. Mais surtout ce qu'on va faire, et là vous allez bien m'écouter sur la kitchen, anti-roaming. Très rapide, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, mais efficace. Et on y va comme un gâteau de mariage. On commence par le top, on passe l'étage du dessous, et après on leur défonce la gueule. Et en fin de game, à une minute de la fin, on va donc avoir un top qui est clear, un premier étage qui est clear, un sledge et un buck qui auront personne au-dessus d'eux, bien évidemment, qui vont défoncer les gars qui vont être sur site et des mecs qui vont commencer à aller ouvrir les T1 ou T2 selon l'endroit qu'on va attaquer. Vous voyez à peu près la composition ou pas? La décomposition du truc? Ouais. Oui, oui. Ouais, c'est crouch. Vachement... Okay. Ouais, la vache, sérieusement. J'ai vu plus de... Donc, c'est simple. Ici, quand on attaque la bakery, je répète, anti-roaming. Donc, mettez vos drones au top ou gardez-les parce que c'est difficile de faire monter ces drones au top puisque vous allez passer devant des gens, vous allez en perdre beaucoup. Donc, vous gardez les drones, vous partez, vous montez assez rapidement sur le toit et il faut faire de l'anti-roaming en partant du top et on descend, premier étage. Et une fois que vous allez descendre au premier étage, ceux qui n'ont rien à faire au premier étage une fois qu'il est clear vont aller jouer du côté de la bakery, ok? Du côté de la bakery, chose qu'on veut ouvrir. On veut ouvrir le mur bakery. Et ceux, bien évidemment, qui ont des opérateurs comme Sledge, là, je le vois, lui va rester au niveau du train et va rester au niveau de l'engine, du moteur, pour faire son taf. Et je l'ai fait sauter. Je l'ai fait exactement. Sauter. On me prend le top, là. Six. Ouais. Tu te fous de ma gueule? Ils sont de ma gueule. Moi, oui, mais pas toi. Tout le monde prend le top. Et vous faites l'anti-roaming ensemble. Et en descendant... Ok, ça va descendre comme une espèce de coulis de chocolat sur un gâteau de mariage. Non, casse pas ici. Tout le monde prend le top. Et à la fin, il reste... toi, tu vas descendre. Donc, t'as compris, Nito, qu'il va falloir que t'ailles dans la bakery. Donc, il va falloir que tu te dépêches, tu vois ce que je veux dire. Il y a mieux que tu rentres dans la librairie. Ne jamais aller au niveau du skylight, c'est le truc de noob, Nito. En tout cas, mets pas ta tête, quoi. Et attention au C4. Have fun. Let's go. On parle, on est efficace. Ok, je rentre... Cigare clear, piano clear, okay. Mini bar clear. Et je drop. Couloir blanc clear, toilette clear. Ok, c'est... Cocktail clear, allez, où? On peut drop alors? Ouais. Moi j'ai déjà drop. Il teste pas mon drone. Il y en a.
Plus personne, plus de bruit. Ouais, normal. Et là, c'est bon, c'est pas... Oh, mais j'ai pas le nom, c'est chiant. Allez, tu continues dans le train, là, Nito, là, dans le premier train, dans étage. Le train, dans le train. Let's go. Dans le train, y'a quelqu'un. Sur le ping 3, y'a quelqu'un. Par la trappe, tu peux le niquer, Buck. Ouais. Oh merde. Il ah, est. Je l'ai pas le... C'est quoi ça? Mais il est eu. Mort les dégâts. Ça c'est descendu d'une trappe, ça a sauté d'une trappe, c'est qui? Moi je l'ai cassé une trappe. Dans le train, c'est bon, c'est clair. Pour moi à droite là. Fais gaffe la mira. Ouais. Ne t'accroupis pas, Mopis, et fais pas des trous à des endroits où tu vas t'arrêter. Tu fais des trous et après tu reviendras dessus, ok? Drone avant de balancer des trucs en mode tu sais même pas s'il y a un mec là. C'est pas beau ça. Ah ouais, non, franchement, et on l'a tous vu. Franchement, c'est dégueulasse. Bon, la mira, bon, la mira. Allez, faut mieux m'aider là au niveau de la bakerie. Non, ah, tu... ah, ah si, 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 ah bah si, tu mérites de mourir là. Mets-moi un Energy Lab là-bas, Red War, si tu peux, derrière le shield. Il me le faut. Derrière le shield, où ça? J'ai pas vu. Porte bakery, là-bas. Soping. Soping 1. Ok. Il est au fond à droite, hein. Molle. Allez, 15, 20 secondes, les gars. J'open la bakery. Il faut que tu t'accroupisses. Bien joué. Bien joué. J'ai mal joué, désolé les gars. Pour oui, tu t'as mal joué parce que t'écoutes pas en fait, il est là le problème. Bien joué, Edouard. Ouais, non, c'était pas bien joué, j'ai mis un MS, hein, mais bon, c'est pas grave. Bah, non, là, vous avez eu de la chance de le mettre. Honnêtement. Mais autrement, l'anti. Bah oui, clairement, c'était naze. Oui, oui, de ouf. L'anti-roaming était pas trop mal. En revanche, je vous ai arrêté là quand je vous ai gueulé dessus, c'est parce qu'il y a un moment, Yanito il fait machin, machin, machin. Et ça, c'est un truc que tout le monde fait. On est motivé pendant 2 secondes en se disant « Ok, première, il n'y a plus rien au top. » Et après, plus personne. Il n'y a plus un call. Il n'y a plus rien. Genre, il n'y a rien au premier étage. « Ah, merde, j'ai oublié de faire la librairie. » Mais non, faut continuer. Faut faire le premier étage. Enfin, premier étage ou rez-de-chaussée. Enfin, on s'en fout, mais premier étage, quoi. 1, 2, 3. On fait le 3, on fait le 2. Et après, on va attaquer le 1. Et une fois qu'on attaque le 1, il faut qu'il y ait une logique. D'accord ? Ça sert à rien. Bon, après, là, c'était devant toi, la trappe au niveau du fridge, Mopiz, d'accord ? Néanmoins, tes potes, j'ai dit qu'ils allaient attaquer Bakery, donc va jouer au-dessus de la Bakery, donc au niveau du moteur, ok ? Et où Bakery ? Oh, c'est nul. Ah, d'accord. On a Bakery, c'est la pâtisserie en anglais. On l'a dit au début. Ah oui, ok. La boulangerie. Non, pâtisserie, en l'occurrence. On s'en fout, c'est pas très grave. Où est-ce qu'ils vont? Boulangerie, si tu veux. Oui. Hein? Là. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? On s'en fout. Le but du jeu, c'est que si tu décides de jouer sur un opérateur qui joue sur la verticalité, il faut que tu ailles emmerder les mecs sur la verticalité au-dessus du site, ce qu'on va attaquer. Est-ce qu'on attaque le A ou est-ce qu'on attaque le B? Tu vois ce que je veux dire? Si tes potes décident d'attaquer le A. Ils sont pas en haut, hein. Ok. Ils sont en bas, ils sont kitchen. Dans ce cas-là, il faut que tu joues, Mopiz, au-dessus du A. On est d'accord ou pas? Oui. D'accord. On refait la même. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que même si tu fais pas de kill, en faisant des trous au-dessus de la tête des défenseurs, tu les fais bouger. Et si tu les fais bouger, alors peut-être que tes potes qui vont être sur site, ils vont dire... Vigil Kiroum. Eh, je t'écoute, hein. T'es comme il a pré-shot. Bah non, mais j'aime pas non plus quand on me coupe. J'aime pas non plus quand on me coupe, mais... Il y a un mute au premier étage. C'est un peu important quand même. Il y a un mute au premier étage. Oh ouais. Il y a Vigil aussi qui roam. Mais je suis pas sûr, je crois que je l'ai dit. Vigil, là, c'est un peu, il était bar. Hein. Ouais. C'est sur le C4, hein. Là, il y a Jaeger sur ping. Il a cassé les trappes, attendez. Pour grimper, on pourrait être un peu plus rapide, hein. Mopiz, on a besoin de toi pour ouvrir les trappes et aussi... Non, mais... Voilà, merci. Ça va, vous êtes rapide. Dans le cigare, il a bougé, il vient de bouger, il a droppé la trappe. Non, il est piano. Il est balconi aussi. Sur ping exact. Il est derrière sur ping. Ping 4. Bon, puis sur ping, tu peux nade. Ah, il est toujours en droit. Là, il y a un gars. Hein. Il est cocktail. Il est parti, il est dans le white. Il est piano. Attention, piano.
J'ai drop New Hatch. Faut venir m'aider, je peux pas mourir. Il sonnait. Exactement sous le piano. Pas piano, y'en a un sous piano. Topic là-bas, Red. Mort, nice, piano. Nice. Encore, encore. What? Ah ouais, non, bah à gauche aussi. Pardon, c'est pas l'info. Fais un trou là, fais un trou là, Axel, Axel, fais un trou là. Il était coin pute. Il est où? Coin pute. Regardez, je suis, t'inquiète. J'ai plus de drone. C'est bien ça, Mopis. Non plus, j'en ai plus. Mopis, c'est un call ce que tu viens de faire. Y'a quelqu'un. Ouais, non, avant, y'a un truc qui est clear. T'es. Pas grave. Ah ouais, je m'entends même. Info ? Je le dis qu'il est mieux. Il y a mute, il a plus de vie. Et là, j'ai pas l'info. Avec combien? Avec 4. Je casse les couilles sur le roaming, frère. Il y a mute, librairie. Et il a 10 HP maximum. Tu l'as entendu? Oh. Oh merde. Oh, il est chiant là, avec le bug de caméra là. Mute, librairie, oh. Toujours. 16 secondes. Nice. Bien joué. On s'en fout, on s'en fout. Mais c'est pas les cas, moi, on les a. T'aurais pu le mettre ce round, hein. Possiblement. La trappe, elle était peut-être pas cassée. Ou alors passer par le haut et les déloger. Non, je dis pas qu'il aurait dû le mettre. Je dis juste que, en une fois de plus. Il faut essayer de remonter quand on arrive à 10 secondes comme ça de la fin où t'as vu, là t'es essoufflé, là t'es à 3 secondes de la fin, t'arrives en face d'une Mira, etc. machin. Tout ça pour dire, il vaut mieux remonter sur ce genre de truc là, c'est à dire à un moment regarder le haut de son écran et de se dire est-ce que j'ai bien mes 10 secondes pour y aller, mes 10 secondes pour planter, mes 10 secondes pour machin, tu vois ce que je veux dire? Essayer de garder ça en tête quoi, et d'accélérer quoi. Là quand t'avais la flash et tout, faut y aller là, le mec dans la librairie, c'était déjà... Il restait 26 secondes, tu vois ce que je veux dire? Là fallait aller le défoncer, de toute façon autrement... Perdre 4 secondes à ce moment-là, c'était déjà perdu. C'est pas très grave. Autrement, continuez. L'anti-roaming est pas si mal. Prenez le temps. Et ce que je voulais dire par rapport à Mopiz, excuse-moi parce que t'as pas entendu le C4, mais quand vous voyez qu'il y a personne dans une pièce, c'est un call. Une pièce clear est un call. Le call, ce n'est pas de voir quelqu'un dans une pièce. Le call, c'est aussi de ne voir personne dans une pièce. Rainbow Six, à notre niveau, c'est un jeu d'échecs. De savoir qu'il y a la dame sur B14, c'est très bien. Mais de savoir qu'il y a personne sur B12, c'est aussi une autre information. Vous voyez ou pas? Je mute. Oui. Ouais. Super. Oh, Sinaz, répète ce que je viens de dire. Il faut dire quand même que si c'est clair ou pas. Yes. Nickel. Vous êtes des monstres. Let's go. Mais ils sont tout en haut. Je reste sur Buck ou pas? Reste mec. Si tu sors bien avec et tout. Moi, j'aime bien. Faites gaffe au spawn kill, normalement. Moi, ouais, je spawn là, mais vas-y. Concentré, il y a 2€ en jeu là. Non, j'ai personne. J'ai un peu. On peut grue. Le cache. Nice. Voilà. Est-ce qu'il y a rouge, j'ai vu quelqu'un? Non. Ah, j'ai plus de drone. Dans le white aussi. Ah. Il a fait une sortie, moi. Est-ce que je peux dropper? Est-ce que c'est clair à gauche? Ouais, tu peux drop. Cigare, c'est clair. Piano, c'est clair aussi.
Mira. Et what couleur white à quelqu'un. Y'a Yaker. Fais gaffe, ça arrive, ils sont deux à pusher. Point pute. J'ouvre le piano. Et là, c'est la Mira qu'il faut, qu'il faut sortir. Toujours deux, point pute. Je drone un peu. Y'a Mira dans les toilettes. Yip. Mais c'est pas vrai. Il me casse les couilles. Doucement. Mort Mira toilette. Mira toilette toujours, j'ai une cam dessus. Elle est morte. Couleur toilette et à fuse, pulse. Dommage. Enfin, il te casse pas les couilles, Mopiz. Tu restes au niveau du Danone. Ne restez jamais au niveau du Danone. D'accord. Vous avez fait quelque chose qui était propre. Vous avez fait quelque chose de très propre. Vous avez pris le top red. C'était très très bien. Vous avez pris le top red. Ok, d'accord. Mais dans le piano derrière, le but du jeu, c'est de jouer. Je vous avais dit quoi? Vous avez oublié? Les toilettes. La Mira, il aurait fallu la sortir et discuter de comment est-ce qu'on la sortait. Idéalement, avec un ace ou avec une thermite. Non, pas la personne. Le miroir. Et après, ouvrir le mur vers la gauche. Et là, on commence à discuter. N'allez pas jouer au niveau du Danone en early game. Dépêchez-vous, vous allez perdre 2 euros autrement. Ils vont être où? En bas. Ils vont être encore kitchen. Donc on fait la même chose, on fait le coulis de chocolat. Le coulis de chocolat, c'est, ouais, c'est pas mal. C'est ça. Oui. Exactement. Parce qu'il a cherché ses mots et puis s'est dit non, coulis de chocolat, c'est ce que j'ai retenu. Alors moi, j'ai mis quelque chose pour des mots, tu vois. Voilà, quoi. Je me moque, mais j'ai retenu pareil, hein, t'inquiète. Bah, je cherchais le nom aussi du gâteau de mariage, mais j'avais plus en tête, donc du coup... Allez, let's go, remontada. Let's go, ouais. Oh mon dieu. Non, ils sont libres, ils sont pas en bas. Ah, ouais, ils sont en librairie. Ils sont en librairie. On fait quoi? Il y a du mute. Bon, on peut faire la même chose du coup. On prend contrôle. Je vous ai donné tout à l'heure les trucs que vous devez défendre. Par définition, si je vous donne des trucs pour défendre, je vous donne aussi des trucs pour attaquer. Comment on prend le cocktail? Il faut déloger les rumeurs. Ok, laissez tomber. Vous faites exactement la même chose que s'ils étaient au top en fait. D'accord? Vous le jouez comme si c'était au top puisqu'il faut prendre le cocktail. Et une fois que vous allez avoir ça, vous allez voir déjà. Et bien évidemment, Mopiz, toi, c'est à la fin du game. Le cocktail, c'est à toi. Attention, t'es le seul... Ah non, il y a Excelsior aussi. Ouais, j'ai pris Buck. Et l'endroit pour planter, la plante défaut, vous le voyez où c'est? Au niveau de l'armerie, en dessous de cocktail, en dessous de la new balcony de Attic. La porte qui donne vers la librairie, ici, tout de suite. Let's go. C'est là qu'on voudra planter en late game. Mais pour ça, il faut le cocktail. Je l'ai pas, moi. C'est moi qui diffuse, mais je sais pas où c'est. La porte de la librairie. La porte de la librairie. Oui, là, là-bas. Merci. Oui, exactement. Tu rentres dans la porte de la librairie, tu serres contact à droite et là, tu plantes. Ok. C'est la plante défaut. Je le fais pas maintenant, non. Non, il faut d'abord prendre le top, ensuite prendre le cocktail, jouer sur la verticalité. Il y en a quelqu'un. Bon courage. Vous avez l'info sur Balcony ou pas? Je le fais pas maintenant. Ah si, tu vas planter. Les gars, c'est qui drone? Ça dit quoi, là, du coup? Red War? Ça dit que ça mute. Franchement, il y a des mutes, il y en a quelqu'un. Sinaz, là, cette ligne, tu la prends jamais. Il y a une ligne pilar qui tu prends une one tap ici. Ne prends jamais te mettre là et à de l'endroit où t'es. Ouais, c'est tout. Ok, c'est bon. C'est bon. Okay. J'ai fait un truc stylé. Un énième balcony. Je vais me faire C4 d'en dessous. Ouais, la trappe est ouverte là. Hein. Et Oh, vas-y, Bar cocktail. Non. Je viens de pas avoir l'école. Mort. Fridge. Oh là là. On ne prend pas le diffus, hein. On prend le contrôle du top, on s'assure que ça ne nous remonte pas dans le trou de balle au niveau des escaliers. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font les deux soft breachers? Nice. Tu vois où t'as niqué là, Excelsior? C'est là que tu dois planter en dessous. Voilà. Ouais. Au niveau de la porta là? Exactement. Au niveau du mute. Voilà. Dans le rien. Mon pays, ils sont pas très frérot. Hein. Ah non? Non, ils sont. On a dit gros librairie.
My bad. Je vais avoir besoin d'une cover au niveau du white, parce que si on prend dans le cul, là c'est déjà plus logique. S'il te plaît, mec. Ouais. 35 secondes. Ouais. Faut limite back que t'ailles. Contrôle du top, plantage. Ouais, faut. Ok, on descend. On a le top. Drop à la fenêtre, drop à la fenêtre si tu peux. Non, le pleu, non, 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 Excelsior. Okay. J'ai droit à la trappe, ça fait un spray. Moi aussi. Je t'ai mis une smoke. Oh non, derrière, derrière la, le truc en faux incassable là où il y avait Redwar. Prends le DP, prends le DP. Mais pourquoi je suis une merde comme ça aussi? Oh. Non, jamais dans le mettre une rigueur là. Ah non, 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 y'a pas de. Non, 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 vous avez été cons comme des bites là. Ça, Excelsior qui drop à la trappe. Alors que j'explique qu'on va jouer la porte de la librairie. Oui, oui, oui. La porte de la librairie. On joue sur la verticalité de la librairie. On empêche toutes les personnes d'être dans le prolongement de la librairie. Y'a plus personne sur le site en dessous de nous dans la librairie. Et on va jouer un mec au niveau du sofa. Le seul endroit où il était safe. Ah non, ah non, 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 non. Là, 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 vous venez de voir ce que ça donne. La personne en face de vous, elle n'est pas meilleure que vous. D'accord? Vous avez juste mal joué. Vous êtes juste passé au mauvais endroit. Et sur R6, ça pardonne pas, quoi. Là, tout était bon, hein. La prise du top, etc. GG, les potes. Je sais pas. GG. Oh, j'arrive pas à écrire. Putain de jeu de merde. Ah si, c'est bon. La prise du top, elle est bonne, tout est bon, c'est extrêmement logique. Vous leur défoncez la tronche au niveau du dessus, ils peuvent plus défendre à l'endroit où ils sont. Après, il y a certains éléments, bien évidemment. Ils vont essayer de jouer au niveau du pilar, il faut avoir un contrôle au niveau du 90. Ça aurait été bien de voir ce genre de truc-là. Mais en règle générale, là, vous vous souvenez quand je vous ai dit sur Oregon, on plante la bombe au niveau du défaut, et derrière, il y a un mec au niveau du pilar qui peut tout contrôler, et il y a un mec au niveau du blue qui peut à peu près l'aider. On pourrait presque le faire avec juste un mec au niveau du pilar. Bah là, le setup à la fin, il est comment en fait? À quoi ressemble le setup de fin si on n'est que 3 en fait? Ou 2, allez. Vous êtes en 2v3. La strat s'est à peu près déroulée comme d'habitude. Il reste 20 secondes et il faut planter. Où sont les deux? 2v2. Où sont les deux à nous? C'est librairie. Non, non, mais là, attends, on y va au mètre carré. Librairie, attends, c'est un stade de foot, s'il te plaît. Non, non. Il y en a un qui est cocktail et un qui est à la porte, en bas, au niveau du plant. Il reste... Quoi? Vas-y, Excel. Je disais qu'il y en a un qui était cocktail et un qui est au niveau de la... Voilà, exactement. Portée. Ouais, c'est bon. Il y en a un qui se met au niveau du New Watch. Comme ça, ça évite que son pote se fasse prendre dans le trou de balle. En fait, en étant au top... Le mec, s'il se place bien, il peut contrôler le fait que ça vienne jouer son pote au niveau du pilar. Tu vois ce que je veux dire? Ça va lui venir jouer son pote va rentrer dans la librairie, contact à droite. Donc, il a peur d'une personne qui ferait un push 90 into pilar. Et en étant au niveau du top, le mec, au niveau du new balcony, il a la possibilité de contrôler son pote qui vient de pusher et qui va planter. Donc, la position idéale de ces deux personnes, c'est un qui plante défaut. Et l'autre qui est au niveau du top et qui essaye de couvrir son pote qui des rotations pilar en jouant directement du new balcony ou des trous qui ont été bien faits qui contrôlent que aucun des défenseurs du coup décale. Le Jaeger, si vous aviez planté, il aurait dû mourir par Excelsior qui aurait dû couvrir le top. Le Jaeger, il peut pas rester à l'endroit où il était là. Vous vous rendez compte si ça plante? Il est obligé de venir chercher une ligne. Et la seule ligne qu'il peut venir chercher en direct, c'est une ligne qui va forcément l'exposer à une personne qui est au niveau du cocktail. Vous voyez ou pas? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et là, ça a rien à voir avec votre niveau individuel. Individuellement, vous êtes très bon. Ok? Ça n'a rien à voir avec votre capacité de communication. Vous êtes très bon. C'est juste votre capacité d'écoute. Je vous donne des calls, vous ne respectez pas la méta et on fait des erreurs, quoi. On s'offre, on se donne. Ce round, il est à nous, normalement. Le mauvais joueur va se dire « J'ai raté mon duel. J'aurais dû mettre la tête. » Ok ? Ça, c'est le joueur de merde, ça. D'accord ? À notre niveau, je parle. Le bon joueur va se dire, en revanche, « Non, c'est parce qu'on est passé du mauvais endroit. On aurait pu faire les choses de façon mieux, quoi. » Après... Si en faisant les choses de façon mieux, le mec qui est au top loupe son duel sur le Jaeger qui décale, ça, c'est autre chose. Mais les placements
Le placement n'était pas bon. Ok. Et ça, c'est des trucs qu'on va voir. C'est déjà pas mal pour café pour la première fois, en fait. Il y a déjà beaucoup d'appris, là. C'est mieux que la dernière fois qu'on l'a fait, la première session, là. Ah oui, c'est mieux. La première de café est mieux que la première d'Oregon, ça, c'est sûr. Ouais. Mais après, j'aurais dû drop du coup de l'autre côté, au final, avec... Tu devais... Là, c'est... J'ai même arrêté le mouvement. Normalement, t'aurais dû t'assurer que Mopiz avait compris où se mettre. Et en fait, là, ça, j'aurais aimé un truc du genre « Je reste au top, prends le diffuse et va planter. » Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu joues sur la verticalité, t'es un opérateur qui sait jouer sur la verticalité, c'est ton taf, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que derrière, si ton pote meurt en plantant la bombe, tu peux mettre un 1v2. Tu peux mettre un 1v2. En jouant sur la verticalité, tu peux, à un autre niveau de jeu, tu peux mettre le 1v2. Et au top... Et le truc qu'ils doivent faire normalement, c'est venir te jouer. Ils peuvent pas s'amuser à, se dire couvre-moi pendant que je le diffuse. C'est pas possible. Il n'y a pas de crossfire placement sur une verticalité quasiment. C'est très compliqué. Donc normalement, le bon call tout pour eux, c'est de dire on va le jouer. Le seul problème, c'est que s'ils viennent te jouer. Mais souvent, il y a des drones qui restent, ça va prendre du temps. Tu vas avoir un call du genre « Ils sont deux, ils pushent escape bleu, tu vas dropper. » Bref, tu peux jouer à un V2, mais tranquille, ça va, c'est horrible pour eux d'avoir une personne qui joue sur la verticalité. Donc si le diffuse avait été planté, là, on avait 70%, 80% des chances de remporter le round. Voilà. Okay. Et cette strat est simple. Anyway, on a appris plein de choses et c'était quand même très bien. Non ? Ouais, non ? Ouais, je sais, ça fait beaucoup, comme d'habitude, hein, ça fait beaucoup d'informations. Oui, on divère. Oui. Ok. Bon, soyez bien là la semaine prochaine, les amis. Ouais. Vous me devez tous 2 euros. Bah, j'essaie, mais j'arrive pas. Hein. Red War a fait. Et un pain au chocolat, ça te va ? Non, je mange pas de pain au chocolat. Moi, je veux. J'ai un corps d'athlète. Hein. Merci, Nito, pour les 2 euros. On t'attend, Mopiz. Hein. Je vais appeler Claude, du coup. Je vais le réveiller. Mais j'ai pas PayPal. Ouais, mais je vais appeler Papal, du coup, moi. Mais la vérité, j'ai... Pas PayPal non plus. Hein ? J'ai Papal. Non, mais je rigole. T'inquiète, ton plaisir. Bon, du coup, soyez bien là la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai à dire, ok ? Yes. Ok. Ça ira ? Oui, bien sûr, coach. Ok. Nito, ça ira ? Ça ira, je serai là. Ok. Sina, ça ira ? Moi, ça ira. Bon, je trouve pas de lien là pour les dons. Non, mais je plaisante. Garde ta thune. C'était une plaisanterie. C'était juste pour vous mettre un peu de. Il y a que Nito et Red War qui sont fait niquer du coup, qu'on mis les 2 euros. Mais c'est pour vous-même. Non, mais moi, j'ai qu'une parole. Hein. C'est tout. J'ai qu'une parole aussi. Hein. Ah, ok. Ouais, mais. Ok. Bon, et du coup. Et du coup, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, c'est tout, ok. Du coup, c'est la semaine prochaine qu'on en saura un peu plus, coach. Bonsoir, vous verrez. Okay. J'espère. D'accord, coach. Prévoyez les tentes, on va passer un bon moment. Ah, génial. Ah, j'ai pas de temps. Vraiment des tentes. Hein là. Bah, t'aimes pas le camping. Second degré encore. Hein. Des olives. Non, mais... Merci, des olives. Non, mais je sais pas. T'aimes pas le camping ou pas, Mopiz? Mais si, j'adore le camping, mais c'est juste que genre... Bah, petit camping à Paris, Chipolata. Bah ouais, c'est cool. On est bien. Hop, ça. Bien sûr. Un peu de légumes quand même, parce que... Hein. Ouais, bah voilà. Merci pour cette soirée. Pour le sport. Pour la salle. Juste vite fait. Hop. Bon, allez, c'est bon. Il est 22h28. Vous avez été monstrueux quand même. C'était très, très bien. Et je suis fier de vous. All right. Vas-y. Merci, coach. Bisous les poulets. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, bon ciao tout le monde. Bonne soirée. Bisous, bisous. C'est pas vrai, ils étaient nuls à chier. Ils ont pué la merde. Putain, la vache, ils sont vraiment débilos. C'est hallucinant. J'ai jamais vu des joueurs aussi cons et irrespectueux. C'est quoi ce dernier round de merde là ? Merci, le TIT, pour les 500 bits. T'es un monstre. Merci pour cette soirée. Allez pour le bootcamp. Merci pour les 500 bits. Non, les 500 bits, ça va pas dedans. Et pour le bootcamp, c'est bon, les amis. Je vous ai dit, on est bon. Hein, je pense qu'on est bon. Voilà, quoi. Right. Hein, c'est pas gentil. Non, ça a bien joué. Ça a bien joué. C'était mieux. Merci, Cibloud, aussi, pour les 18 mois de frais de scolarité. Vraiment, monstrueux. Vous êtes des monstres. Vous êtes tous des monstres. All right, des monstres et des monstresses. OK.
Mopi champion la saison prochaine, je le vois venir. Mais grave, vous allez voir, je pourrais participer, mais je suis sur Play. Bon, en tout cas, soyez là la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Ok, soyez là la semaine prochaine. Ok, il y aura des petits trucs sexy. Enfin, j'espère, j'espère. Il y a encore des trucs à confirmer. Mais voilà, normalement, c'est en train de se décanter. Hein, voilà. Ok, les amis, je vous souhaite à tous une bonne et une agréable soirée. Si vous voulez retrouver cette vidéo, elle sera à mon avis... c'est pas mon avis, elle sera sur la chaîne replay d'Assault Academy. Si vous n'avez pas l'accès au VOD Twitch, puisque c'est réservé aux étudiants, vous pouvez faire point d'exclamation YT replay. Je la mettrai du coup sur, en entier sur la chaîne replay d'Assault Academy si vous voulez le revoir ou si d'autres personnes vous le demandent. Autre chose, autrement, une vidéo de cette soirée sera aussi sur la chaîne principale du campus de l'Assault Academy. Aidez-nous à liker, à commenter et puis bah, tout simplement à nous emmener tous au top. Et à, déjà à 150 000 abonnés, ce serait pas mal, ok? Parce qu'on stagne un peu là sur YouTube, hein, c'est difficile. Alright? Ça nous aiderait énormément. Je peux pas faire de dons, je ne peux pas, donc je peux pas m'identifier. Tu me devras un pain au chocolat comme, comme l'autre là, ok? Je pense que c'est à peu près tout. Les news de la journée, donc du coup, il y a eu le nouveau site salty-academy.com qui est disponible. Si vous voulez faire un tour, il y a pas mal de trucs. Il va y avoir un site de goodies qui va être mis à jour. Voilà, sur le campus. Le nouveau campus arrive. Je sais, ça a pris du retard, mais vous inquiétez pas, ça arrive. La vidéo, il me semble, Airsoft 3, elle a été débloquée. La vidéo Airsoft 2, elle arrive dans la semaine, puisqu'il y a pas mal de gens qui l'ont demandé. Bah, il y a eu 30 000, plus de 30 000 vues sur la dernière, donc bien évidemment, on va faire celle-là, quoi. La Airsoft 2, du coup, que j'ai teasé hier pour ceux qui étaient là. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. En fait, non, c'est pas tout. Il y a plein de trucs qui arrivent, mais voilà, quoi. Ok ? Hein ? Voilà. Ladies and gentlemen, je vais disparaître de votre écran. Voilà, il n'y a pas les crédits du campus de la Salty Academy parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, je vous l'ai dit. Je vous souhaite à tous un bon et une bonne et une agréable soirée sur le campus de la Salty Academy, sur point d'exclamation Discord, hein, où vous êtes plus de 16 000, ou ailleurs, tout simplement. J'envoie le son... de la fin que vous connaissez, lui en revanche. Le son qui indique la fin sur le campus de cette Salty Academy, la fin de la journée en tout cas. On se retrouve demain, comme d'habitude, en début d'après-midi, 15-16h. Alright? Tout simplement. Il faut mettre le lien du site sur le Twitch. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ok? Point d'exclamation. Non, non, non. Salty. Academy.com si vous voulez aller le voir, ok, il est là, voilà, tac, ok. Ladies and gentlemen, merci infiniment en tout cas pour cette soirée. J'espère que vous aimez les héros d'Oregon parce que c'est vraiment cool en tout cas. Comme je le disais, point d'exclamation YT si vous voulez voir la vidéo qui va sortir bientôt. On est un peu en retard bien évidemment, mais vous verrez, il y a un best-of qui va sortir très très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis c'est à peu près tout. Et puis comme d'habitude, bah, je vous laisse, je vous embrasse, je disparais. Je vous dis à demain. Et surtout n'oubliez pas en attendant qu'on est salty, oui. Mais pas que.